a visité donc l'entreprise de Maurice Benhamoud et on a visité donc après l'intervention et la présentation de Maurice, intervenant comme directrice de la FNF, ensuite Hubertus comme commissaire de la FRA, puis une seconde de pause. Et enfin, donc, intervenant Louis Mec, Daniel Pierre et puis moi-même. En fait, j'avais préparé une introduction d'une cinquantaine de minutes. On m'a fait comprendre que ce n'était pas raisonnable, que vous aviez énormément de choses à dire, que vous étiez absolument convaincu, et c'est avec un grand plaisir que je vais réduire considérablement mon intervention. Posté ce matin sur le dump, l'insoutenable. Aujourd'hui, je présente le dump en Sorbonne. Il faut que j'y dépose encore l'introduction à laquelle j'avais pensé et qui me semble maintenant inappropriée. On ne peut cumuler les écarts à la règle sans risque d'y perdre le sens premier du geste. Je peux maintenant en donner lecture comme pièce à conviction. On me l'a dit, il faut faire court. Pour contrebalancer les pages, les maudits tiendront en une phrase, que j'énonce ici, et qui me permet de rappeler que longtemps, la question se posait à moi du « pourquoi faire thèse ?» Quand la recherche faisait mon quotidien sous la forme nécessaire de la production, sans cesse mise en question. Quand les résultats s'enchaînaient, me disant combien ce que je disais n'était pas là, toujours ailleurs, et d'ailleurs, je m'en accommodais fort bien, comprenant que la fuite de l'ennui était comme l'objectif qui se redéfinit sans cesse sur le métier, horizon hors d'atteinte. Et j'avais imaginé que je pourrais m'en satisfaire, sachant combien l'Académie ne saurait prendre en compte une pratique non discursive, non verbale, qui s'éloignerait de l'odeur du papier pour sauver les forêts de mots trop nets pour ne pas cacher quelque chose de pas propre, que j'espérais encore voir surgir dans les dérives et les débordements de la mise en forme plastique et dynamique d'images, matière à palpation, au contact de laquelle les doigts se perdent dans la pensée trop fugace pour qu'on puisse en capter le flux perdu dans sa lancée, sur laquelle je me laissais porter, hanté néanmoins que j'étais par l'idée qu'un jour je parviendrais à me poser les mots et les questions qui permettraient à ceux par qui le sens arrive en lettres d'y voir plus clair et de comprendre qu'en effet, de l'effet il est rarement question dans mes errances formelles, mais non formalistes, qui cherchent autrement le chemin qui mène là qu'on appelait nulle part, ici ou ailleurs, pourvu qu'on s'y retrouve, entouré d'expériences à vivre et à produire, probablement dans l'attente, l'impatience et le doute, que le vide m'angoisse, et que le plein m'étouffe, et qu'alors je me sens prêt à choisir les mots pour arrêter le sens au vol, qu'au moins on appréhende en cette stase quelque chose des doutes, j'en doute. Et il fallut que la chose vienne à moi sous la forme d'un texte, à la forme prétexte, qui m'offrirait l'occasion d'asseoir les mots au jour le jour, et de commencer à converser sans comprendre de suite que cela voudrait dire qu'il me faudrait répondre aux questions qui se posent d'elles-mêmes quand on se laisse aller à se raconter l'action en suspens, dont on sait d'ailleurs qu'elle nourrit l'incertitude, qui est probablement la base du questionnement vital, celui qui nous fait remettre à plus tard l'arrêt salutaire et paniquant du flux de la même pensée saisie dans la forme, tuée dans le mouvement, le dernier que l'on souhaite définitif par la justesse de la pause, la puissance du cri, le coup tendu qui dit la vie parce qu'il s'arrête à mort, là, et qu'il me faudrait donc accepter le pacte que je m'étais moi-même imposé sans et où, et que je nourrirais joyeusement, et sans sacrifice véritable qui m'en fasse plaindre, mais avec le sentiment curieux que j'étais en train de faire, là, ce que je croyais ne plus jamais tenter, de dire pourquoi et pourquoi pas, pourquoi ça et pas autre chose, qui donnerait plus de valeur au fait de faire et justifierait d'arrêter de ne rien faire que cela. Qui ne dit pas avec des mots qui pourtant parviennent alors à faire surgir, dans la formulation des motifs de l'insignifiance, des motivations de la remise en question, de la formulation claire des doutes et des certitudes provisoires, l'oscillation de l'intention en instance de passage à l'acte. Jusqu'à croire que finalement l'acte est bien avant qu'il ne prenne forme dans le fait de forger le doute dans la masse, d'en faire une certitude définitive de sa prééminence dans la démarche boiteuse de l'artiste qui ne tenterait pas de la masquer en laissant croire, ultime pulsion auto-agéographique, que l'histoire de son œuvre est un processus continu, et que seul ce qui affleure mérite d'être perçu
plutôt que de creuser sous la ligne de flottaison, là où les fluides denses des disques masquent douloureusement le fondement de la trace, moins gracieux, mais plus terrible, car il annonce la catastrophe ou le jaillissement, quand ils ne se font pas dans l'oubli. Et c'est là qu'écrire, que mettre en mots devient le moyen de faire durer l'instant fugace, où la chose se dispute encore, où le projet se dessine, candidat à l'existence, qui le plus souvent retombe dans l'informe, mais pas dans l'insignifiance. Et chaque jour du temps que compte l'écriture du dunk, ce texte dont on tourne les jours, comme on retournerait l'objet pour lire ce qui est écrit dessous, en connaître l'origine, en vérifier l'authenticité, découvrir le prix, chercher la signature, tout ça nage sur la page. Et la raison d'être surgit progressivement de ce chaos apparent qui se dessine avec le temps comme le tracé fractal de la côte de Bretagne, dont la roche capricieuse ne se donne à lire qu'avec le recul traduisant un destin qui ne saurait émerger dans la réalisation de projets avortés, dignes de bocaux honteux que l'on cache en cave sans oser les jeter, pensant qu'un jour un esprit plus malin saura y lire ce que maintenant on ne fait qu'oublier. Et c'est en cela que le dump fait texte et fait œuvre à la fois, énonçant le cheminement qui va de l'étincelle à la décharge, à idée, créant un statut particulier aux projets qui ne prennent leur valeur que dans leur énoncé, et dont le développement ne serait que le début de la fin, épuisant le potentiel d'imaginaire que les mots entretiennent, ce qu'on s'épargnera, trop sensible que nous sommes, à l'importance du temps consacré à la chose, et à la mélancolie que déclenche inévitablement le triste paysage d'une intention qui n'a pas su s'arrêter là, en amont de l'objet, chose ou acte, qui trahirait son incapacité à passer du registre des idées à celui des phénomènes de foire, à la monstruosité fascinante et repoussante, qui n'est pourtant pas ce que l'on cherche ici, car le morbide n'alimente pas suffisamment notre fantasmatique pour constituer le moteur dominant de l'action. Mais si la question est ailleurs, c'est que surnage de l'écriture ce qui fait le vrai motif de ma présence ici, de ces hypothèses pour un passage à l'acte différé, parfois annulé, naissent progressivement des projets, car il faut qu'ils en soient, de pensées qui explicitent le processus sans le dérouter, qui donne à comprendre le sens de ces errances et de ces micro-analyses, qui de micro-analyses en micro-conclusions font thèse de ce bois-là. Et le pari du dump devient enfin lisible, quand le flux qu'il prône draine la pensée pour construire en chemin, puis avec méthode, une heuristique de la création en miroir. Dans un pays de mots, les frontières des genres et celles des supports ne suffisent plus à cantonner le projet, qui dépasse, on le sait, le simple enjeu formel. Et quand en d'autres temps on a pu voir en mes travaux des jeux métaphysiques, ce texte que je vous donne à lire suit un temps et une règle, celle de l'Académie, pour entraîner le lecteur vers des synthèses multiples, bien à l'image des pratiques multiformes qui se laissent faire en art sans se laisser aller. Il y a des points de suspension. Peut-être, pour être plus explicite, j'ai pensé qu'il serait bon que je montre quelques projets du vin en expliquant comment, finalement, ce blog est devenu progressivement, même s'il était dans l'esprit au départ, quelque chose de l'ordre de la recherche, et cette recherche quelque chose de l'ordre d'une thèse. Donc j'avais prévu tout un développement, effectivement, pour expliquer et légitimer un petit peu cette approche, mais je pense que montrer quelques projets va permettre de... Alors, par chance, le soleil baisse, donc on commence à voir quelque chose sur l'écran. Voici. Donc, sur ce... Donc, la logique du dump, la décharge de projet, la logique du dump, donc, c'est que régulièrement, longtemps, quotidiennement, je dépose des projets. Souvent des projets qui ne sont... pas réalisés, soit parce que j'ai pensé qu'ils n'étaient pas totalement pertinents, soit parce que c'est une idée qui m'est venue et je me suis dit, oui, d'accord, mais pourquoi consacrer sa vie à cela, soit parce qu'ils m'apparaissent comme étant d'un registre ou d'un savoir-faire qui est différent du mien, ou alors tout simplement parce que je ne saurais pas les produire, parce que je n'ai pas trouvé le lieu pour les faire aboutir. Maintenant, il ne s'agit pas simplement d'une collection de projets, puisque j'y discute à chaque fois, le pourquoi je suis arrivé à ce concept. Je définis évidemment les notions de concept et de projet, et aussi pourquoi, finalement, il mériterait d'être développé, et peut-être par d'autres. Donc la logique de la décharge, c'est que n'importe qui peut aller y chiner, y fouiller, prélever les éléments, et puis en faire son propre travail.
Donc un travail, un projet réalisé devient une instance de ce qui, finalement, constitue au départ une sorte de partition. Alors je vais présenter quelques projets pour montrer un petit peu l'esprit du travail. Voici le projet COBA, Coming Out Bag Art. Le projet COBA, il est parti de ce dessin. L'idée est très simple. Ça consiste à se dire, voilà, qu'on arrive dans une exposition avec un sac à la main et qu'on choisit une salle, dans un musée d'art contemporain par exemple, et dans cette salle, on oublie son sac, qui va ensuite s'ouvrir tout seul, se gonfler, et donc constituer une œuvre complète avec son socle, son cartel. Voilà, elle peut prendre différentes formes. C'est un acte intrusif, invasif. Voilà, donc c'est le coming out bag art. Et comme tous les projets Ludin, on se rend compte qu'ils sont classés par catégorie. Donc là, on est dans le merchandising artistique, ce que j'appelle la fusion critique, je vous expliquerai un petit peu plus tard, la performance, l'objet et le placement de produits au sens commercial du terme. On verra aussi, par exemple, que différentes choses comme le design et derrière l'artiste font partie des catégories, et tout ce travail sur les catégories, évidemment, participe d'une réflexion sur ce que c'est que de vivre la création aujourd'hui. Art Trap, un autre projet, le piège à art, c'est un projet qui date de 2000, je l'ai conçu en 2000, alors que j'étais un petit peu agacé par ce qui se passait à propos d'une exposition que je faisais au Centre Pompidou, et où progressivement, sous prétexte d'un sponsor, c'était porté volontaire, eh bien, on est passé d'une demande du centre d'une exposition en une location d'espace publicitaire. Et donc, j'ai proposé une œuvre qui n'a pas été réalisée, donc c'est pour ça que je la présente, constituée, vous voyez, ces quatre murs qui constituent une pièce de 4 mètres sur 4 avec 4 projecteurs et 4 portes. L'idée est de mettre en vente, en ligne, l'espace d'affichage. Et donc, si quelqu'un met 1 centime d'euro, qu'il est le premier, il a son nom, qui prend tout un mur. Maintenant, si quelqu'un d'autre met 1 euro, ben, il aura évidemment 100 fois plus de place que l'autre. Et plus on met d'argent, plus on est visible. Mais évidemment, ça fait monter les prix. Alors, comme les prix montent, eh bien, je viens régulièrement en bleu de travail et je réduis la taille de la porte pour augmenter la surface d'affichage. Ce qui fait qu'évidemment, au bout d'un moment, l'objectif est atteint, la valeur a monté, mais il n'y a plus de spectateurs pour en profiter. Autre projet, appartement témoin. Il rentre dans une catégorie, donc je crée des catégories comme ça, qui sont assez explicites, et donc de la catégorie papier peint, ce qui regroupe tous les artistes dont le travail est toujours le papier peint. Donc, appartement témoin, c'est très simple, il s'agit de transposer ce qui s'applique aux véhicules bon marché comme les smart, où on peut avoir un véhicule quasiment gratuitement, à condition qu'on accepte qu'il soit recouvert de publicité. On applique ça à un appartement, donc voici un appartement que l'on peut habiter, à condition qu'on accepte que les sociétés de vente par correspondance, telles que la Redoute ou les Trois Suisses, puissent venir tous les mois remplacer le papier peint par les pages de catalogue correspondant à la fonction de la pièce. Autant vous dire qu'il y a quand même un petit peu de réflexion associée à tout ça, mais pour cela, il faut aller le lire sur place. Autre exemple aussi relativement simple, c'est la catégorie du fan art, fan artist, c'est-à-dire les artistes qui utilisent des ventilateurs. C'est une nouvelle catégorie importante. Et ici, voilà, c'est une œuvre qui s'appelle Black Hole. Je mentionne évidemment la référence à Thoreau, à Anish Kapoor. Et c'est un noir qui a une profondeur extrême, qui ne renvoie en rien la lumière, au point qu'on peut avoir l'impression qu'il s'agit juste d'une surface noire sans aucune matérialité. La seule différence, c'est que lorsqu'on passe devant, on est comme aspiré. Parce qu'il y a derrière, évidemment, une énorme aspiration qui fait que ça n'est pas que de la couleur, absence de non-lumière en matière, mais c'est aussi une différence, une dépression qui absorbe totalement le visiteur. Dans un registre extrêmement différent, Diplomatique Opéra.
Je précise à chaque fois d'où vient le projet, et donc j'essaie d'en retracer le parcours dans la construction ou l'apparition du concept. Donc ici, je revenais d'une présentation de Dorbot, où je découvrais la passion de certains pour utiliser les anciens jeux vidéo, les bricoler et produire à partir de là de la musique ou de l'image. Et donc j'imaginais ce que pourrait être un bricolage de la sorte qui utiliserait un vieux godemiché, mais en bon état, assemblé avec un câblage complexe et quelques dispositifs susceptibles de produire du son. Et je propose là la création d'un opéra live, autrement dit sur scène, où un chanteur d'opéra ou une chanteuse d'opéra utiliserait l'instrument pour produire de la musique qui accompagnerait les vocalises. Voilà. Dans le même registre, et c'est pour ça que les projets se suivent, Spermission et le commentaire d'une œuvre de Duchamp. Et là, je vous le lis, juste pour que vous compreniez la nature du commentaire. Donc, c'est suite à la lecture d'un article de Nicolas Bourriaud dans Beaux-Arts Magazine. Donc, ça va partir de l'œuvre « Paysage fautif, sperme sur satin » de 46 de Marcel Duchamp. Précurseur s'il en fut, Marcel Duchamp a aussi été un des tout premiers à produire du bio-art. Son paysage fautif est à plus d'un titre, figurant à son corps consentant la carte d'un pays passage, témoignage indéniable du processus de création interrompu, sperme sur satin détourné de sa destination première. Deux lectures possibles du processus de production. Soit ce paysage spermatique correspond à une pollution nocturne, sévèrement condamnée dans les pensionnats de la fin du 19e et début du 20e siècle, soit il est le témoignage fortuit de la volonté des maîtres hors du sujet pour ne garder de l'acte que le plaisir, probablement supérieur dans des draps de satin. Dans les deux cas, le plaisir joue un rôle déterminant, traduisant une recherche permanente chez Duchamp. Dilettante affirmée qui délaisse l'art de métier pour une pratique apparemment libérée des normes et des contraintes, pour enfin jouir du plaisir du renouvellement permanent. Plaisir intellectuel de construction sophistiquée, dans lesquels le coup d'échec jamais n'abolit le hasard du verbe et le plaisir de la chair offerte qui n'a pas d'emprise. Il est d'autant plus surprenant de constater que les suiveurs suivistes n'ont pas retenu du maître cette leçon de choses. Dans le milieu autorisé, en effet, plus le propos est docte, plus le visage fermé, comme si le code en vigueur cherchait le sérieux de l'intention dans l'humour et le plaisir de l'acte. Celui-ci déculpabilisé par sa remise dans le droit chemin d'une fécondité sinon souhaitée, du moins acceptable. De l'autre côté de la planète, la lecture est tout autre. Sur la base des mêmes indices, en 2005, une exposition Duchamp à Tokyo arrachait au commentateur nippon une réflexion agacée sur les délires sans intérêt d'un obsédé sexuel pathétique, rayant d'une phrase la légitimité d'une lignée fécondée sur le satin, certes un peu sec maintenant. Dans sa trivialité outrée, le geste n'en est pas moins remarquable. Il n'est pas innocent non plus que ce message soit présenté comme un tableau, paysage envoyé à sa maîtresse. Ce n'est pas une lettre parfumée. L'émission de Marcel pour sa belle se présente comme une création. La production de l'artiste qui se refuse de l'être devient littérale. Le sperme de Duchamp et la merde de Manzoni, le projet et le DG. D'un côté, la promesse définitivement non réalisée, ou plutôt l'affirmation peut-être dérisoire de la supériorité de l'artiste sur la nature, qui crée le monde, le paysage, comme représentation, en refusant de créer à son image. Peut-être plus que Fontaine, réceptacle standard industriel élevé au rang d'œuvre d'art, l'émission jouissive constitue un manifeste du rêve self-made, génétiquement frais, abstraction lubrique codée dans la masse, fusion du médium et du message qui replace l'artiste à l'origine absolue de l'œuvre, à la fois magistrale et dérisoire. Le projet, puisque je vous ai dit que chaque fois il s'agit d'un projet. L'alchimie duchampienne et l'alchimie manzonienne sont diamétralement opposées. La réduction du sperme en amour et la mutation de la merde en or supposent un rapport différent au destinataire, à l'instance de validation, au stock exchange des valeurs symboliques convertibles en plaisir ou en dollars. Duchamp fait partie de ces artistes qui ont choisi de fréquenter le monde de l'art comme activité alimentaire, mieux par ailleurs et à compte d'auteur donné de sa personne à vide. Le projet donc est un projet de carrière d'artiste, c'est une catégorie donc du dingue, fondée sur le relevé systématique de ses émissions. Tout ce qui émane de son corps, soigneusement recueilli et répertorié, et non stocké, mais envoyé aux instances appropriées, la galerie, la banque, le partenaire amoureux, la famille, l'armée, le laboratoire, le gouvernement. Le revenu, s'il y a lieu de la distribution, servira à continuer d'alimenter le corps en fluides, solides et stimulations de tous ordres. Une version extrême consisterait pour l'artiste à être alité
de multiples perfusions et cathéters alimentant et prélevant sans discontinuer ce que le corps absorbe et ce qu'il produit. Le corps devient alors alambique, à l'image simplifiée que propose Vaucanson ou Vigne Delvoye, de l'alchimie artistique qui réduit l'art à l'exercice de ses fonctions organiques, expression la plus rigoureuse de son individualité et sa pratique connectée au corps social comme ultime processus de survie. Je finis juste avec deux, parce que je crois que je suis un peu long finalement, hein. Mais il y a des images. Ok. Génomique archéologie. Ce qui est intéressant en fait de montrer plusieurs projets, c'est évidemment de voir que je ne me cantonne pas à des projets qui seraient par exemple technologiques comme on aurait pu le croire. Génomique archéologie est fondée sur un projet de Jérôme Lanier qui a proposé de faire, comme bibliothèque, de faire un projet de bibliothèque qui permettrait de sauvegarder le contenu des bibliothèques face à des périls possibles comme explosion nucléaire, guerre mondiale, etc. Et donc il propose de coder l'ADN des cafards en y intégrant la totalité des textes des bibliothèques que nous connaissons. L'idée est excellente. Elle est tellement bonne que si jamais il y a eu une intelligence avant l'homme sur la Terre, elle y a pensé. Donc je propose dès maintenant de se mettre à déchiffrer l'ADN des cafards pour y trouver de possibles librairies qui seraient là en attente de lecteurs. Je propose aussi parfois dans le DIMP des projets qu'évidemment je me dis que je ne pourrais pas faire pour une question de disponibilité, de savoir-faire. Donc j'avais proposé d'écrire un ouvrage qui s'appellerait « L'art après la technologie ». Je pensais qu'il était temps de s'en préoccuper. Et finalement, j'ai écrit un article qui s'appelle « L'art après la technologie » pour la revue du MIT, donc « Technology Review », et qui décrit en quelques pages, que je ne commenterai pas ici, mais qui sont maintenant en ligne. Donc, quand un projet du DIMP est réalisé, je considère que c'est une instance et qu'il y a d'autres réalisations possibles. Dans les projets, on trouve aussi « Changer le monde », qui semble une des préoccupations récurrentes du travail de l'artiste, alors je dis ne serait-ce qu'un peu, je suis obligé de préciser, un projet important qui serait d'écrire un ouvrage sur la fusion critique, et là je développe évidemment toute ma conception du rapport qu'il peut y avoir entre l'action artistique, la production artistique et le monde réel, comment au lieu de créer de nouvelles illusions, nous pourrions introduire de la fiction dans le quotidien de manière à le rendre plus lisible. Un projet qui s'appelle Fame Phishing, extrêmement récent. Le phishing étant une pratique qui consiste à prétendre par exemple être eBay pour soustraire le code de carte bleue et le numéro de carte des personnes qui reçoivent le message. Fame phishing, donc le hameçonnage de gloire, consiste à prendre d'autres identités pour attirer l'attention sur soi. Enfin, dernier projet dont je voulais parler et qui constitue la dernière page de la thèse, je pensais que j'ai le temps de le lire, la conclusion. Je peux. Voilà. Quand dans sa lettre à Chantilly, Poussin souligne l'importance du cadre destiné à séparer la forme symbolique du tableau de l'espace physique environnant, il dit clairement la nécessité de refermer la forme sur elle-même, quand elle s'exprime dans un registre de représentation fondé sur la permanence de la trace, afin de l'isoler du monde dans lequel elle se donne à voir. Je me trouvais, il y a quelques années de cela, assister à un débat qui réunissait Régis Debray, Karine Dubitsky, Bernard Stiegler, etc. La question portait sur la possibilité d'échapper à la double injonction, introductive et conclusive, dans le récit interactif. Et les intervenants de rappeler que le modèle romanesque, largement repris et amplifié par le cinéma, exemplifiait la nécessité d'un début et d'une fin dans le récit. Bouillonnant d'impatience, percevant bien que la prégnance des modèles de référence occultait l'essence même de la mutation en jeu dans les nouvelles formes d'écriture, j'interviens pour poser quelques hypothèses. Le référent formel des mondes persistants, des univers interactifs, de l'écrit en ligne à la réalité virtuelle, n'est en rien le roman. Un univers virtuel ne répond pas à la tentative maladroite d'immerger le spectateur dans le film
comme le film serait une tentative pitoyable de donner de l'image et du son au roman, ou encore de la mémoire au théâtre. Pour les systèmes narratifs fondés sur la visite d'un concept ou d'un espace, réaliste et ou symbolique, le référent est bien le monde dans lequel nous évoluons, qui nous précède et nous survit. Si une vie ressemble à une tranche coupée dans cet espace-temps, d'autres en parallèle se déroulent avec d'autres conséquences et une autre temporalité. Il est probable que l'on entre dans le flux de la représentation dynamique, comme dans celui du fleuve, sans que le devenir sens de ce fluide, à la mémoire délibérément active, ne soit entravé. Œuvre couverte par construction, immergée dans la vie qui le nourrit au quotidien, le blog entre dans ce cadre. Seule la lassitude ou la disparition impose son interruption, ce qui ne serait pas encore une conclusion. Je propose donc de théoriser la non-conclusion, comme Borges avait su inventer le livre de sable, rejoignant dans l'image le concept d'œuvre ouverte d'Umberto Eco. Il ne faudrait pas confondre l'inconclusion et l'inachèvement, c'est tout au contraire la propriété de l'achèvement en action, faute de l'être en acte. L'inconclusion est probablement la seule réponse possible à un questionnement nécessairement ouvert sur la pertinence d'une production et d'une analyse processuelle, dont l'enjeu relèverait de l'intention en tant que notion ou d'action. Fuyant la fin désespérément, il s'agirait, page à page, d'inventer l'impossible sans se faire arrêter. Merci bien pour cette présentation rapide, finalement, et mesurée et animée. Et nous, je vais donner la parole à ou encore Bord-Paix à l'Arc de Triomphe.
Mais je n'avais pas le temps, pas le choix. L'idée était pressante. Et vous savez, Maurice Benayoun, celle de la vitesse dure, de la fulgurance. D'une certaine manière, on n'y peut rien. J'ai essayé de vous arrêter, de vous couper le flux, de vous forcer dans le moule académique et de vous ramener vers cet ensemble d'œuvres remarquables que vous aviez produites, vers ce qui était un acquis artistique, je dois dire, rassurant. C'était enfin. Je n'avais pas de générateur de doute à portée de main pour vous en dissuader. J'ai donc capitulé. Et puis, il est vrai que le fait que vous décidiez de réaliser un travail spécifique à l'occasion de cette thèse, qui serait la thèse même, et non un commentaire sur d'autres œuvres, les vôtres, vous savez, d'autres artistes, c'était, j'ai trouvé, un pari pertinent. Je ne dis pas exactement courageux, en tout cas risqué, un projet beaucoup plus risqué, mais aussi beaucoup plus excitant. Alors, allons-y pour le bloc. Topper convulsif, vous me présentez 210 idées projets de cette décharge, avec une introduction de 40 pages que vous avez fini par me pousser, enfin, que je vous ai extorqué. Mais vous avez, j'ai été surprise, renoncé au générateur automatique de bibliographie dans le texte de la thèse, mais qui se trouve dans le DOM, évidemment. Et là, c'est exactement ce qu'un exemple parfait de la fonction du DOM que de réclamer, que de récupérer ce qui n'a pas de preneur. Et je n'ai pas preneur pour la bibliographie automatique. La conclusion, vous en avez pas. Alors, à juger au poids de ces 399 pages, ça fait thèse. Le nier, c'est un poids qui est compensé une fois par l'immatérialité du site. Alors, nous avons une version de gauche, la version envoyée à ceux qui habitent très loin, comme Derrick qui arrive de Toronto. Mais celle-ci, c'est plutôt la version spectacle sous pause. La version qui a un test, c'est la même. Là, c'est du recteur. C'est une thèse surprenante. Ça, vous êtes très fort, les surprises. On a quand même, dans cette page d'introduction, une argumentation, ça vous pouvez à qui on douterait que vous êtes tout à fait capable de développer une argumentation avec des bases et des références théoriques, pas de problème. Nous avons lu Heidegger, Blum, Titon, des concepts, des notions, c'est concis, mais pourquoi pas. Donc, nous savons que vous en êtes capable. Nous savons aussi, à partir de vos œuvres, que vous êtes tout à fait capable d'achever le détravail. Mais venons-en à cette thèse qui est donc un dump, mais qui ne peut être dans le dump, puisque celui-ci est une décharge de projets qui n'ont pas été réalisés. Ici, vous êtes passé à l'acte. Mais je dirais plutôt à la performance. Cette thèse de la plastique, dites-vous, existe sur le blog performatif. Vous le dites en linguistique, c'est-à-dire que vous produisez ce que vous dites. La démarche n'est pas à caractère interprétatif, n'est pas interprétatif, mais elle est énonciative. L'énonciation, qu'est-ce que ça? C'est l'énonciation du projet, et cette énonciation est la forme de l'accomplissement de ce projet, son achèvement provisoire. Évidemment, revenu, vous avez corrigé les projets. C'est une dynamique, pas quelque chose qui est mis sous le nez. Alors, donc, nous ne sommes vraiment pas dans l'après-coup de l'analyse, mais le lecteur se trouve saisi dans un flux d'idées, qui est une notion développée sur laquelle vous insistez, évidemment. Nous sommes saisis dans ce
fait de micro-analyse. Et il est vrai que souvent, je le reconnais très fort dans la forme brève, hein, plus que dans l'écran de développement. Quoique nous avons des essais, des mini-essais, qui sont tout à fait nécessaires. Mais la forme brève convient plus. Alors, ces micro-analyses, ces projets, se développent en fonction de déclencheurs. Et là, c'est assez intéressant que vous ayez. Vous nous donniez le contexte d'émergence des idées. C'est-à-dire, qu'est-ce qui déclenche l'idée? Moi, j'aurais bien aimé qu'il y ait un petit peu plus que cela. Je ne suis plus rien dit. Alors, ce sont des situations, des souvenirs, des conversations que vous donnez des players à la manière des jeux vidéo. Alors, ces idées que vous appelez un peu vite, je vais faire quelques réserves. Entre concept, intention, idée, bien d'autres. Alors, vous dites que vous suivez les règles académiques, vraiment, c'est pas du tout, on n'a pas de chapitre, on n'a pas de partie, on a un sommaire qui correspond quasiment à chaque page, évidemment, puisque c'est chaque page. Il faut trouver, comme vous dites, la logique. La logique, c'est aussi un terme qui commence à être utilisé par les médias. Et c'est pas tout ça. La version que nous avons, les versions primées, sont contre nature. Vous le dites très justement, ce sont des antilopes. C'est-à-dire qu'elles arrêtent le flux. Mais elles permettent de créer une distance et, en fin de compte, comme vous le suggérez, de saisir, je le cite, a posteriori, la cohérence derrière les tableaux du jeu. Je vais y revenir. Version imprimée contre nature, anti-blog, vous faites, et ça c'est un trait de votre attitude d'artiste, vous allez plus loin, vous allez toujours plus loin, c'est enfin de surenchère qui est caractéristique chez vous. Vous nous faites un projet du premier blog gravé sur marbre, le blog Forever. Je veux dire, ça fait partie du projet. C'est pour montrer les gens de retournement que l'on trouve dans ce domaine. Alors, c'est le principe du blog qui donne sa forme à la thèse. Le genre, on le sait, relève du journal intime, du blog note. Vous justifiez ce choix de la petite forme, c'est pas de la façon de vestir, hein, parce que ça vous semble c'est un choix qui est très pertinemment justifié pour son accessibilité, pour son aspect, son caractère interactif avec des possibilités de réponse, pour sa temporalité propre à cet aujourd'hui, au quotidien. Et là, vous vous êtes donné une règle que vous suivez. Et je trouve qu'il y a une rigueur dans votre démarche. J'ai envie de dire en définitive, c'est là qu'elle existe. Qui est. Ce blog, donc, est pour vous un outil. Hein, et vous le prenez comme il est. Alors, je pourrais aussi vous interroger plus tard sur le caractère d'œuvre, du blog. Outil, œuvre. Mais en fin de compte, pas pour essayer de répondre à ça, parce que nous sommes là ce qui est de ma partie. Alors, on a. C'est pas une thèse sur le blog, ça c'est sûr. Si quelqu'un cherche, il y a des informations, il y a beaucoup de remarques extrêmement pertinentes et intéressantes sur le blog, mais vous n'avez pas fait un travail de création. Développement, certains aspects du blog, de l'anti-blog, etc. C'est pas vraiment là la recherche. Mais simplement, le blog engageait des articles, une brièveté dans les différents articles, les différents postes. Donc le blog est un PM, ce que je disais au début, et le PM, c'est un projet malin. C'est malin. Il permet d'étudier,
et il permet d'excuser tout, ou presque. Donc cette décharge quotidienne, en fait, autorise l'extrême diversité des propositions, des styles, et aussi des enjeux. Alors le risque, je disais que c'était un projet risque, un choix risqué. Le risque, vous en doutez, c'est que l'on trouve de tout dans les décharges. Hein, et il y a plutôt tendance à trouver des rebuts. Il y a des raisons de jeter ce que l'on jette, mais pas toujours, parce que ce n'est pas toujours important, à mon avis. Car donc, si on trouve de toutes sortes de choses dans votre décharge, dans votre dump, des projets paralysés, des projets en attente, on trouve aussi quelque chose que la pratique artistique, non pas ne vous autorise pas à faire, mais ne vous donne pas l'occasion d'exprimer. Ce sont des idées qui dépassent, vous en avez donné un exemple, qui dépassent le contexte de l'art. Donc ça, en ce sens, c'était tout à fait intéressant, c'est un objet, un outil d'une grande souplesse. On y trouve des idées pirouettes, comme des projets d'envergure. On y trouve, je veux dire, des mesures qui est assez magnifique parfois. Et je trouve que vous jouez le jeu de mettre tout aussi honnêtement possible, en gardant tout ce qui vous vient à l'esprit au jour le jour. Quoique je vous soupçonnerais, moi, de conserver pour vous, de mettre les idées, peut-être les projets qui vous tiennent le plus à cœur. Je ne sais pas, vous nous direz, vous confesserez ou pas, je ne sais pas. Vous avez dans ce dogme aussi bien des idées vives, je les qualifierais plutôt comme ça, auxquelles vous donnez une chance d'exister, si par hasard il y a preneur, quelqu'un qui est intéressé par ça. Et après tout, c'est un moyen de diffusion, tout à fait intéressant. Mais il y a aussi des idées, vous verrez, qui sont préparées, ou faibles, ou voire plates, déjà faites. Ce que vous acceptez en bonjour. Autrement dit, vous acceptez d'être avare, j'ai traduit, un already made artiste. Et jusqu'à proposer d'ailleurs cela comme une pratique aussi. Donc c'est difficile de vous argumenter avec vous, parce que de toute façon, vous déjouez déjà l'argument contre lui-même, l'argument qui critiquerait. Vous êtes donné une règle, tantôt vous l'avez redit, qui est de ne rien produire qui ne puisse être un projet, et même si ce ne sont pas toujours des projets originaux. Mais en fait, ce ne sont pas des projets que vous donnez à apprécier. C'est un processus que nous sommes amenés à considérer. Le contexte d'émergence d'un projet est vraiment une première formulation qui est évidemment provisoire, c'est ce qui distingue le projet de la réalisation de l'œuvre. Je ne parlerai pas, moi je vais vous parler d'achèvement provisoire. Je ne trouve pas qu'il y ait d'achèvement. C'est une sorte de évidemment, une contradiction. Vous aimez les paradoxes, donc c'est clair que vous jouez avec les paradoxes de son état. Mais ce qui est intéressant, c'est l'exposition. Non pas de vos idées géniales qui mériteraient d'être produites et que des commissaires du musée n'ont pas voulu, mais c'est surtout que vous exposez, vous formulez des intentions. Et c'est surtout cela qui est vraiment intéressant, un état de l'œuvre avant la réalisation. Alors, on parlait de... Cette cohérence sous-jacente, vous pouvez en trouver dans la lecture, dans l'index des catégories. Ces catégories, c'est intéressant. Parce que vous refusez les catégorisations techniques ou en fonction des disciplines. Mais en fait, vous les refusez. On a des entrées, peinture, l'architecture,
plutôt amusant, peut-être. Vous avez montré le sexe, je n'en entends pas beaucoup, sauf peut-être des thèses. Mais bon, ce qui est quand même très frustrant là dans le texte, c'est que nous ne pouvons pas avoir l'expérience de l'hypertextualité qui est un caractère fondamental évidemment de Locke. Donc vous le dites tout le temps, ce n'est pas la thèse, ce n'est qu'une version, la version anti-thèse. La vraie thèse, elle est de Locke, c'est-à-dire cette possibilité de naviguer et d'appeler une catégorie et d'avoir soudain, de comprendre soudain comment il y a, non pas répétition, non pas ressassement, mais à partir d'une entier, une série d'œuvres qui font sens ensemble. Alors je veux, cette catégorie permet en quelque sorte de recul analytique aussi, permet une approche qui invite davantage à la vie. À côté des grandes questions, vous adorez les grandes questions, c'est une parodie évidemment de la philosophie. C'était déjà présent dans les œuvres précédentes. Dieu est-il là, le diable est-il court, et moi dans tout ça, le ciel est dans tout ça. Là, on a le post-art, le blues de dimanche soir. Je ne vous dis pas parce qu'on a un moment, mais on est entre le régal d'ailleurs et quelquefois le sentiment d'un bluff extrême. Bluff d'ailleurs veut dire quelque chose, j'ai oublié ce que ça veut dire. Bluff révèle. Pour prendre, à côté de ces grandes questions, pour prendre quelques exemples de la manière dont ces projets finissent par constituer un ensemble de commentaires critiques. Vous ne vous posez pas comme un artiste critique, vous l'êtes. Là, on a un commentaire critique, je prends juste l'exemple de l'art contemporain, ses enjeux, ses détenus. Vous appliquez à l'art contemporain, de façon vraiment assez habile, le business model. Alors, on a les investisseurs, la production de la valeur, l'impact, c'est un terme qui revient constamment, et vous le faites évidemment à travers des propositions qui mettent en scène ironiquement, très ironiquement, ce qu'elle dénonce. Je l'ai dit tout à l'heure, vos projets sont vraiment fondés sur ou la surenchère ou la minimisation. Je prends juste un ou deux exemples. La conception, le design de carrière d'artiste. Quand on peut vraiment se demander, il y a beaucoup de projets très, j'ai envie de dire amusants, mais c'est plus que ça, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup d'une approche critique. Alors, par exemple, un projet de carrière d'artiste qui est fondé sur une multiplication d'actions visant à ramener le monde à soi. Ou alors vous proposez de créer une école pour produire industriellement des artistes produisant des actes singuliers. Autrement dit, vous proposez de standardiser la production de la différence. Voilà le genre d'idées. Vous en venez beaucoup au commissaire. Alors, dans le projet de carrière d'artiste, il y a celui de commissaire. Vous proposez un musée commissaire. Il est clair que sur votre blog, et c'est le jeu, le principe du blog, c'est-à-dire qu'il y a des anecdotes, toutes sortes de choses comme ça, tous les niveaux de discours, et il y a les humeurs du jour, les règlements de compte. Alors là, le commissaire, moi je ne sais pas très bien, mais c'est clair que vous avez des comptes. Bref, ces anecdotes interfèrent avec les idées de projet. Et un curatorial art trust et critique aussi. Je reste dans l'art contemporain. Critique, en fait, on prend compte, c'est le critique qui est capable, et c'est vrai,
est capable de créer la notoriété d'une œuvre uniquement par un discours. La carrière a posteriori. Vous proposez une œuvre qui serait la promotion d'une autre, des dispositifs auto-installables que vous avez montré, produire du fond, le fanat. Vous proposez une telle, à la Duchamp, évidemment, qui serait l'essence de l'art contemporain. Et là, clairement, vous reprenez, vous faites plus que commenter, vous refaites une œuvre à partir d'une autre. Évidemment, comme tout le monde connaît Duchamp, vous n'avez même pas besoin de donner la référence. Mais bon, je pense, Lysia, etc. Bon, j'ai parlé par contemporain, mais il est clair que vous avez beaucoup mis au passage d'être la critique des médias, de la publicité, la pollution médiatique, etc. Et comme dans la fusion critique, il y a une interrogation qui est souvent assez. En fait, ce sont des approches qu'on pourrait dire théorico-critiques, plus clairement, sur les rapports de la fiction et du réel. Bon, votre décharge, il faut dire, elle est clairement courante. C'est des libératoires, vous dites, ce sont des projets dont vous ne savez pas que faire, et que vous tentez de sauver du compost. Mais en même temps, cet exutoire, il est clair, a une vertu de protection, de conservation. Le mieux pour protéger ses droits, tout le monde le sait, quoi qu'on fasse, c'est de le rendre public, de rendre public l'œuvre que l'on fait. Alors, je passe à ma quasi-conclusion. Il y a une jouissance des idées dans votre thèse qui procure vraiment un plaisir avec une tendance à l'emballement pour les jeux de mots qui ne sont pas une marque défaite avec une marque de triomphe, c'est quand même pas mal, avec une marque de triomphe inversée, un creux. Vous avez, c'est un texte qui est extrêmement vif, d'une écriture aisée, qui est souvent poétique, savoureuse, fluide, claire, etc. Concise à en être éluctique parfois. Bref, c'est un plaisir, un grand plaisir de vous lire, même si je pense que l'anglais que vous utilisez de temps en temps, je l'ai déjà dit, est un peu moins de l'ordre de la coquetterie. Alors, il y a des curiosités amusantes aussi. Alors là, je suis incapable de dire si c'est délibéré ou si c'est dans la coquille. J'en prends qu'un exemple, c'est geler le bébé avec l'eau du bain. Ça, c'est un essai, je trouve ça magnifique. Geler le bébé avec l'eau du bain, la page 167. Ou le cœur du métier. Il y a une humour assez noire aussi pour être incisif, comme cloner l'abbé Pierre, j'en reviens, ou tracer le contour possible de Dieu, ou confier encore la question du sens à un générateur qui va effectuer le travail automatiquement. Donc le générateur, vous les aimez, générateur de doute, de culpabilité, avec la reproduction de l'amour, du discours de l'abbé Pierre, générateur de doute, etc. Alors, une, quand même, une réserve. J'aimerais bien vous donner des précisions sur, d'abord sur le travail du commentaire, du blog, l'aspect interactif du blog. Et puis ma réserve concerne davantage sur le fait d'offrir des idées, de mettre à disposition des idées. On pourrait dire que c'est généreux, parce que des idées, de toute façon, vous en avez plein à revendre. Même dans une seule phrase, vous avez sur moi j'ai du mal à suivre, ça parce que vous êtes encore une idée passée comme une autre. Mais je m'en veux dire que les idées, c'est comme la parole. La parole se prend, l'idée se. On se l'approprie. Ça ne gêne que. Je ne sais pas trop comment formuler, mais il me semble que l'idée, c'est aussi un acte de transgression de la propriété, ou alors d'indifférence. L'idée va stimuler l'imaginaire des autres. Ça ne paraît pas le plus fort de votre vie.
Mais avant que vous me donniez quelques précisions, et je sais que vous avez tout, je ne suis pas inquiète, eh bien, je voudrais à nouveau vous féliciter et vous redire en clair ce que j'ai la traduction de mes bonbons au début. Vous n'avez pas souffrir, je suis pas inquiète. Mais vous m'avez bousculé. Et ce qui est clair pour moi, c'est que vous changez les règles du jeu de la thèse académique. Alors ce sera au jury de décider si il accepte ce changement ou pas. Je dirais que votre thèse, aussi passionnante soit-elle par certains aspects, ce n'est pas un modèle, comme aucune thèse en linguistique n'est le modèle, selon moi, c'est votre choix d'artiste. Et en ce sens, je pense que votre position est forte et est claire. Merci pour cette présence. Bien, merci. Parole. Alors, évidemment, cela soulève tout un tas de questions et tout un tas de réponses. Merci pour les aspects positifs. quelques petites choses, parce qu'en fait, je ne vais pas reprendre dans le détail, parce qu'il y a des fragments de réponses qui sont dans le texte et alourdiraient probablement le débat. Mais je voudrais dire. En ce qui concerne la question des commissaires, je crois que c'est intéressant de prendre cet exemple. Mon propos sur les commissaires ne vise pas à critiquer les commissaires, il vise à dire qu'on n'a pas encore compris quel était leur rôle. Et justement, je considère que commissaire, c'est un vrai projet de carrière d'artiste. Pourquoi ça m'intéresse cet aspect-là? C'est tout simplement parce que ce glissement qui a été opéré dans l'histoire de l'art, qui fait qu'on peut travailler un matériau, un médium qui est l'artiste, les autres, le travailler comme support et comme moyen d'expression, c'est quelque chose qui a été rendu possible au cours de ces dernières décennies, et ça relève tout à fait du même ordre pour moi que certaines autres mutations que j'ai pu évoquer, qui font qu'on a abandonné certains supports traditionnels, ou on les a marginalisés, pour s'intéresser finalement au vivant, au spectacle, au monde réel, à la ville, aux espaces d'expression qui nous entourent. Donc ça, c'est quelque chose de tout à fait fondamental, et je dirais que le devenir des commissaires, le devenir artiste des commissaires, pour reprendre des formules bien connues, eh bien, il est du même ordre que le développement des reality shows. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'on considère qu'on n'est plus obligé de concevoir des œuvres dont le scénario serait totalement écrit. On peut penser en termes de règles, en termes de, d'ensemble, dans la création d'un contexte, en considérant qu'après l'œuvre peut s'écrire d'elle-même. Mais en fait, la véritable écriture, c'est ce qui est en amont. Et je crois dans le texte, d'ailleurs, parler de ce qu'on appelle la Bible en animation. C'est un terme peu connu en dehors du milieu de l'animation, je parle du cinéma d'animation, mais la Bible est quelque chose de très important parce que c'est l'ouvrage où l'on définit, comme dans l'autre plus connu, les personnages, l'environnement, la relation entre les uns et les autres, leur caractère, comment ils bougent, quelles sont leurs expressions et quelle est leur signification. Tout cela, c'est défini dans la Bible. À partir du moment où on ne fait plus d'animation et on définit des bibles qui s'adressent directement aux vivants, c'est-à-dire aux individus, à ce que nous sommes et aux autres, eh bien, on rentre dans une catégorie de création qui est importante. Et ce que fait le commissaire pour moi, c'est justement rentrer dans ce jeu-là. Je ne fais pas là-dessus un travail, ce n'est pas un règlement, je n'ai même pas de compte à régler avec les commissaires, en fait. J'ai plutôt été... plutôt été correctement servi. Donc c'est pas à ce niveau-là. C'est plutôt que j'aimerais que l'on considère que le commissaire est un artiste comme les autres, qu'on le dise une fois pour toutes, et là c'est clair. Et puis à partir de là, justement, on se répartit des espaces d'exposition, des espaces d'expression, etc. Voilà. Donc ça, c'était pour la question des commissaires. Pour la question des critiques, là, évidemment, c'est moins le critique lui-même que je... sur lequel je pointe du doigt, que la question de comment se construit
Et finalement, comment se construit l'œuvre et comment se construit l'œuvre en relation avec ce que peut être la construction d'une carrière. Et si la question de la carrière d'artiste apparaît comme le business model, c'est tout simplement parce que dans le dump, la règle est claire dès le départ. Et la règle, c'est de ne pas hésiter à mettre à plat ce que sont les moments de doute et d'hésitation dans chaque décision que produit l'artiste. Donc qu'est-ce que c'est ? L'artiste en l'occurrence, ici, c'est moi. Et je me dis, ben voilà, là, à ce moment-là, je me demande s'il faudrait faire ça ou ça. Il y a des décisions que l'on prend par rapport à un contexte extrêmement complexe qui comprend aussi bien son voisin de palier que le monde de l'art. Et que l'histoire de l'art. Donc par rapport à tout ça, comment on positionne les actes et qu'est-ce qui va déterminer nos choix singuliers. Et là, il y a autre chose, une chose importante qu'il faut préciser, je crois, c'est que justement, ce que le dump veut, jusqu'où veut aller le dump, c'est de réussir à mettre à nu ce que l'on ne met pas sur la toile si on est peintre, ce que l'on ne met pas dans la pierre si on est sculpteur, ce que l'on ne fait pas exister en tant que tel. Autrement dit, notamment, c'est encore plus frappant peut-être dans le domaine de toute la création qui fait appel aux nouveaux médias, on a toujours l'impression que quand quelqu'un apporte une nouvelle idée, ou une idée qu'on n'a pas trop vue, on se dit, bah, c'est formidable, regardez, vous avez vu ça, personne ne l'a fait. En fait, l'idée est rarement vraiment nouvelle, mais surtout, peut-être que si les autres ne l'ont pas faite, ou ne lui ont pas donné forme, c'est qu'ils ne pensaient pas que ça en valait la peine. Or, il est intéressant, il est important à un moment donné, d'aller jusqu'à dire, bah oui, ça m'a traversé l'esprit. Et puis, bah non, ça ne me paraît pas très intéressant. Ou alors j'aimerais bien le faire, mais je ne sais pas comment, ou d'autres le feront mieux. C'est pas grave. Et puis de dire aussi que, en fait, on sait très bien que 99,99% des idées que nous avons ne sont pas venues là comme ça. C'est pour ça qu'à un moment donné, je propose un projet from scratch, qui serait une tentative désespérée d'essayer de trouver un projet artistique qui ne serait issu de rien de préexistant. Ce qui évidemment n'aurait aucun sens. C'est pour ça que le dump accepte le commentaire du type « Oui, mais ça j'ai déjà vu, et il y a même un des projets que j'adorais, dont il a été manifestement réalisé à 98% à l'identique de ce que je décrivais. Donc j'en ai sûrement entendu parler. Probablement. Et donc c'est à partir de ce projet qu'effectivement, je crée un autre projet qui s'appelle « Already Made Art », c'est l'art déjà fait, et qui redéfinit l'œuvre comme une partition. En musique, on trouve normal qu'un interprète s'attache à interpréter mieux que personne, voire que l'auteur initial, un morceau déjà très largement joué. Eh bien, peut-être qu'il va falloir se faire à l'idée qu'en art, c'est aussi possible. Et je pense même que de mauvaises idées donnent de très bonnes œuvres, et que l'inverse est aussi malheureusement très souvent vrai. Alors, la jouissance des idées, effectivement, je crois que vous avez parfaitement identifié le fait que sans plaisir, je ne peux pas. Dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que ça va être très difficile, et c'est pour ça peut-être que j'ai différé ce travail de thèse, parce qu'on me demandait toujours de faire une thèse sur mon travail. Et il fallait que la thèse soit le travail lui-même. Sinon, évidemment, ça me paraissait un doublon énorme, ça me paraissait... vider de son sens ce que je faisais, puisque si je donnais une autre forme, c'est que je pensais que celle-ci était la plus urgente. Et donc, je n'allais pas me lancer dans le commentaire de mon propre travail, ce qu'on déjà on nous oblige à faire bien trop souvent. Sur le fait de mettre à disposition les idées, justement, c'est cette question de partition. C'est d'abord vraiment le fait d'assumer que si on en parle, c'est plus pour énoncer le fait qu'il est possible de procéder comme cela. Et là, ça touche à une autre question qui est importante, je crois. C'est, j'emploie l'anglicisme ou le barbarisme qui est sérendipité. En fait, ce que j'essaie de faire apparaître aussi, c'est l'état d'esprit dans lequel on est au moment où un projet ou un nouveau projet nous apparaît. On est dans un état d'esprit particulier. On est dans cette espèce d'attente, comme ça, du comblement d'un vide dont on ne sait même pas qu'il existe. Et donc cette attente, eh bien, je trouve que le terme sérendipité, qui n'a pas de traduction en français, sauf celle-ci, qui est quand même pas très bonne, il faut reconnaître,
si on se fonde sur son étymologie et est un peu dévoyé, puisque ça serait presque de l'ordre de la chance, alors que ce que j'essaye de dire, c'est que c'est un état d'esprit qui se travaille en permanence, et que le vrai travail, je crois, il est dans le fait de se mettre dans cet état d'esprit-là. Alors ça veut dire quoi en situation de thèse ? Eh bien la thèse est une situation, et moi je considère que la situation, c'est évidemment ce qu'on peut travailler le plus actuellement, c'est le médium qui m'intéresse le plus, et donc, en situation, être en situation, se mettre en situation de produire, non pas de l'inattendu, mais du signifiant, de produire du sens, de produire des actions qui laissent une trace. Alors j'aime l'idée que ça puisse, non pas créer un modèle, surtout pas, effectivement, je pense pas que ça ait un sens, parce qu'on dira, bah oui, c'est déjà fait, mais ça peut être une nouvelle interprétation de la partition. Je pense que c'est intéressant de penser, ce que je disais tout à l'heure sur changer le monde, évidemment je ne pense pas changer tout le monde, je pense juste essayer de voir quels sont les points de craquement, quels sont les endroits où on peut encore travailler une matière qui a l'air comme ça construite et figée, et comment on peut essayer de jouer de sa plasticité. Bien, donc, je vais passer la parole à l'intervenant suivant. Merci. Et bonjour. Quand même. J'essaie ici d'être un peu à la hauteur de l'auteur, ce qui m'est difficile avec une petite chaise. Non, c'est la vérité, c'est bien. Donc, c'est un travail qui s'appelle l'intention artistique à l'œuvre. Et déjà, étant et venant d'une langue étrangère, ça me pose beaucoup de questions, des bonnes questions. Hypothèse pour un passage à l'acte, la forme. On revient dans les 10 minutes après, dont je vous dis. La thèse de M. Maurice Benaïm porte sur la question de la recherche en tant que création. Exemplifiée par le projet artistique de M. Benaïm, appelé le dump, la décharge, il élabore des schémas de connaissances liés au processus de création. Et bien entendu, quand on parle du dump et quand on parle de ce travail, le travail, on vient de le voir, est en réseau. Beaucoup plus mince, si vous voulez, beaucoup plus profond que ça. La thèse se constitue donc par un projet de création, par la création d'un projet et par la projection même de cette création dans la pensée de l'inachevé, du fragment, du compossible, comme aurait dit Jean-François Victor, qui, comme Benaïm d'ailleurs le dit fort justement, forme le nucleus, le noéma de l'œuvre d'art, en tant que processus permutatif au début du XXIe siècle. Et je parle de noéma parce que finalement, si on essaie de voir la diversité des sous-textes philosophiques, aussi bien dans le temps même que ce qui précède le temps dans le travail, bien entendu, la phénologie y est fortement, puisque je commence avec vous. Vous commencez. M. Benaïm serait un travail tout à fait pertinent et intéressant, soigneusement élaboré et finement dirigé, comportant presque 400 pages, ainsi que tous les ingrédients d'une thèse de doctorat, une biographie, une enquête de recherche. Le travail artistique étant un bloc de son 10 propositions artistiques, l'auteur est parfaitement conscient de l'ambiguïté qui naît au sein même de la création
dont la double portée d'une œuvre procédurale, donc incluant son propre devenir projet et de l'inachèvement de l'œuvre Aufgehoben, relevé comme délégat traduisé Aufgehoben, dans le livre. Donc, Maurice Benamou propose une œuvre relevée dans le réseau. Ça, c'est le temps. Et vous savez bien, quand vous voyez l'œuvre sur votre écran, ce qui est l'œuvre est toujours ce qui reste de l'œuvre. Avec cela, Monsieur Benayou situe sa réflexion autour et bien au-delà de l'indéterminisme et du déterminisme, peut-être faussement compris dans l'art, de l'intentionnalité artistique. L'intention artistique œuvre, elle est en chemin, elle est sur le Holzweg. Sur le chemin qui ne mène nulle part, comme dit la traduction française, très osée de la guerre. L'intention artistique suggère donc, selon Maurice Benayou, un mouvement vers l'identité, une chose qui n'est pas le mouvement, bien que cette chose s'inclue comme une éventualité dans le mouvement même. D'une certaine manière, l'intention artistique reste insaisissable en dehors de son mouvement. Enfin, parce que l'intention artistique échappe, doit s'échapper, et parce qu'elle est un départ vers l'œuvre acte. Elle n'a d'intérêt qu'en ce sens qu'elle possiblement participe à acter l'œuvre. Qui, acté, devient, dans sa disparition essentielle, un paradoxe. Dans la montée, dans celui d'autre, il y a beaucoup. Il en faut. Un paradoxe digne à l'ironie la plus perspicace d'un Friedrich Hegel, Maurice Benayou propose, si je puis dire, l'œuvre d'art du XXIe siècle comme un devenir topologique, dans un champ perpétuellement acté des glissements relationnels. Et, bien entendu, Benayou ne serait pas Benayou s'il n'avait pas saisi localement le nulle part, ne retour de Heidegger, comme l'essence du devenir projet, de ce qui peut advenir en tant que projet et de ce que pose le passage à l'acte comme une connaissance perpétuée. Parce que la connaissance perpétuée, c'était que quelqu'un, en littérature comme Sandy, profondément conscient, avait posé la question de la connaissance qui se déplace en se passant. Chaque connaissance, en se retrouve, passe l'autre, regarde l'autre, et regarde et se change. C'est ça la perpétuation. Comme d'ailleurs, avec 209 projets, dans tous sa contenu, qu'en quittant l'accomplissement, la plénitude, voire même la vérité de l'œuvre. La mutation est à l'œuvre. Le futur de l'art, telle une inscription au plan, vous l'avez montré, a après tout changé, ne sera désormais que le reste, la lutte de ce que l'art était à l'instant même de son nouveau échec. En dehors de sa richesse et au-delà de cet éventail presque malabrien du possible qu'on sort au livre et qu'on sort le dame et le livre, le dame me fait curieusement penser aussi bien à un boulard et un cuchet du XXIe siècle qu'à la notion de l'incidence, si vous voulez, l'autre côté de Roland Barthes. On peut en revenir peut-être. Mais avec la question implicite, qu'est-ce que c'est que l'art après le lettre? Et qu'est-ce qui reste de ce lettre? L'artiste est
ici aussi le penseur, l'actrice Maurice Pénalier, demande en effet aussi que donc signale l'art aujourd'hui et qu'est-ce qu'on en sait? Quel serait le statut de la connaissance dans l'enseignement de l'art et est-ce que cet enseignement peut devenir le vestige du passage? De ce passage que vous nommez aussi bien dans la forme même du dain que dans la conception de création. Et bien sûr, on pourrait parler ici du penseur, l'un des penseurs du passage, qui est Benjamin, et dans le projet d'arcane, qui est un projet tout à fait différent, mais qui est un projet qui pose par un acte de création dont l'inachèvement est l'acte fondateur de la création même, comment un devenir dans ce moment chez Benjamin, social et politique bien entendu, qui n'est pas exclu du dain, peut se faire comprendre, saisir dans la pensée même de la matérialité vécue. Nous n'avons avec le dain, il n'y a pas de matérialité vécue, puisque le dain est sur le dain. Donc la question de la matérialité et du passage, encore l'arcane, quels sont nos arcanes aujourd'hui, et je crois que c'est ça. Avec cette thèse, nous devons passer à l'acte et quitter les dictionnaires des idées reçues, déposer d'ailleurs en valise dans les écoles partout, et ouvrir l'art et les écoles vers justement la perpétuation des connaissances. C'est une liberté que, en fin de compte, l'auteur de cette thèse nous propose, mais à l'intérieur de cette liberté, il y a toute l'urgence de prendre acte de cette liberté. On pourrait bien sûr, peut-être avant de venir moi-même à deux questions, je ne peux que dire que je félicite l'auteur de cette thèse, de ce travail artistique et du devenir pas administratif, dans ce lieu ici, mais du devenir possible dans ce projet, ce devenir projet qui est le dain, mais qui est bien sûr, ça je crois nous avons tous compris, le dain n'est que l'allégorie de l'œuvre d'art. Donc je félicite avec beaucoup d'intérêt et de joie. Et j'ai deux questions, peut-être. L'une, c'est que la thèse, bien qu'elle ne demande pas expressément, pose néanmoins dans son ensemble la question de l'artiste, bien sûr, mais la question de l'artiste est universelle. Et c'est peut-être parce que c'est une grande question que l'auteur a eu recours tellement à l'ironie. Parce que vous savez, les romantiques se sont posés la même question, avec l'ironie justement. C'est universel. Donc, moi, je veux savoir où en sommes-nous avec cet universel et l'œuvre d'art. C'est une question. Et l'autre, qui inclut dans la notion de dain et de décharge, donc dans la notion du reste, qui est pour moi une notion essentielle de cela, donc chaque œuvre déposée dans le dain est bien entendu une œuvre réalisée. Donc, c'est ce qui est sur le table, c'est ce qui reste de cette œuvre. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas, question à Maurice Pénalier, artiste depuis 20 ans au numérique, qui travaille au numérique, et qui a écrit donc sur l'art après la technologie, demander la question, où en sommes-nous avec
cette œuvre d'art, qui en fait, selon le Dan, est en déplacement continuel, son net art, sur le réseau, mais qui se déplace vers une possible originalité, vers un possible originel. Est-ce que cet originel est envisage, vous avez un corps, ou est-ce que déjà, dans l'acte même de la travail entre guillemets et interactif, cette question ne se pose pas? Merci beaucoup. Eh bien, merci pour ces questions et pour les commentaires. Alors, sur le rapport à l'universel et le fait d'utiliser l'ironie, je crois qu'à de multiples reprises, j'évoque qu'il est difficile d'avoir une pratique artistique sans se poser la question je l'ai dit dans mon premier texte, pourquoi ça plutôt que rien. En fait, bien entendu, il y a l'idée que si on fait quelque chose qui n'est pas réputé totalement indispensable, eh bien peut-être qu'on pourrait s'en dispenser. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il nous resterait à faire? Et la vraie question, je crois, justement, c'est que en s'interrogeant sur le pourquoi continuer de faire des choses dont certains discutent la nécessité, eh bien il y a peut-être la recherche de quelque chose qui relève de l'universel. Autrement dit, on cherche à comprendre ce que, dans les solutions ou les réponses qu'on pourrait apporter, même fragmentaires, même provisoirement définitives, eh bien, il y aurait peut-être quelque chose qui aurait du sens pour les autres. Je dirais que, globalement, s'il n'y avait pas le sentiment que dans l'expression de réflexions très... qui se veulent personnelles et qui sont issues du quotidien d'un individu, s'il n'y avait pas là quelque chose qui visait une forme de généralité, une extension, disons, à l'ensemble des lecteurs possibles et des usagers, je peux dire, parce que dans le terme, il faut parler d'usagers, mais enfin, eh bien, dans ce cas-là, ça n'irait pas jusqu'au bout. Et l'ironie, effectivement, à partir du moment où le doute subsiste, eh bien, le meilleur moyen de s'en sortir, c'est quand même l'ironie. Je crois que c'est pas pour rien que je parle de plateforme de survie quand je définis le dump, la phrase qui est écrite pour le dump parle de questions de survie. On est bien dans l'ordre des pratiques qui contribuent à un processus de survie qui est lié à notre difficulté à comprendre le monde uniquement à partir de satisfactions matérielles. À partir du moment où on ne saurait satisfaire de réponses immédiates, limitées, quotidiennes, etc., et qu'on est à se poser d'autres questions, je dis parfois à jouer d'autres jeux aussi, on est dans un processus de survie, et je ne crois pas qu'il y ait d'universalité qui m'intéresse plus que celle qui tend à rechercher à identifier des indices comme ça de réponses ou de réactions à ces questionnements-là. Sur la question du reste et la possible originalité du net. En fait, si j'ai proposé de faire une recherche sur l'art après la technologie, et donc on m'a posé la question du futur de l'art, et j'avais écrit avec cette réponse-là, l'art après la technologie, c'était dans l'idée que pour moi, une technologie n'apporte rien de fondamental si elle n'apporte pas une autre forme de lecture de ce qui n'est pas le technologique. Autrement dit, si la réalité virtuelle ne m'apportait pas une meilleure compréhension du pourquoi je faisais ce que je faisais avant, ou pourquoi j'interprète maintenant les choses de cette manière-là, ça n'a pas d'intérêt. Et donc, par exemple, pour reprendre cet exemple extrêmement concret, il m'a fallu du temps en utilisant la réalité virtuelle, pour voir que ce qui m'intéressait, c'était les situations, créer des situations. Pour voir ce qui m'intéressait, c'était comment on pouvait donner du sens par la construction de situations. Or, c'est ce que je faisais avant, en vidéo par exemple. Mais
Il est vrai que, par la pratique, je me suis rendu compte que explorer le potentiel de certaines technologies permettait de mettre les mots sur les choses, permettait d'identifier ce qui, dans le processus, méritait d'être travaillé, et permettait d'identifier aussi ce qui était travaillable dans la représentation, qui pourrait être ensuite applicable dans la réalité, ou plutôt dans l'espace qui nous entoure, dans le monde qui nous entoure. Et donc, une des conclusions à laquelle je reviens fréquemment dans le DUNC, c'est comment tout cela pourrait nous aider à changer le monde qui nous entoure. Et donc, c'est forcément par la connaissance. Et ce travail, justement, qui se fait par la pratique sur la connaissance, est pour moi, de l'ordre de cette recherche que j'évoquais au début, en disant que j'évoque au début du texte, en expliquant que la création pouvait être une forme de recherche, eh bien, pour moi, c'est une espèce de questionnement permanent que j'essaie de remettre à plat. Et c'est pour ça que je disais que, justement, c'était une opportunité extraordinaire, finalement, d'être contraint à un moment de l'écrire, parce que ça permet peut-être de clarifier les choses et, en tout cas, de prendre du plaisir à essayer de trouver les mots pour le dire. Très bien. Bon, bien, merci beaucoup. Et puis, donc, on fait maintenant une petite pause. On se donne rendez-vous pour un café. Je ne sais pas si vous voulez dire M. Benayoun, si vous voulez dire Maurice, si vous vous permettez, parce que lui aussi vous le consacrer, je peux faire rester dans cette relation humaine qui nous a constamment permis d'échanger un certain nombre de choses. C'est tout ce qui a été dit, que ce soit la lettre d'intervention d'Anne-Marie, celle qui a tous fonctionné dans la tête comme un homme, c'est-à-dire ce que je prévoyais a été jeté quelque part, et je ne sais pas où je vais le retrouver. Mais néanmoins, j'apporte quelques petites ressources. Voyez, moi, si je suis effondré sur cette grande table avec un seul siège trop bas, ça ne peut pas être très grand, forcément. J'aimerais quand même poser, tout au moins, discuter des choses en public et avec Maurice, qui répondra s'il le souhaite, s'il ne le veut pas, ce n'est pas un problème. C'est que, autour de l'ensemble de ces travaux, que je suis depuis bien longtemps, je pense, du tout début, c'est construit peu à peu ce qu'on pourrait dire une sorte de machination qui a un certain nombre de différents problèmes. Je crois que dans la discussion des systèmes qu'il met en place, il y a à la fois une capacité d'accumulation et de traitement de ces systèmes, et il y a une traduction qui se fait à la fois en positif et en négatif. C'est-à-dire qu'on est habitué, quand un générateur se met à travailler, d'aller vers l'endroit où il pourrait démontrer les mécanismes internes de ce générateur. Et vous ne dites pas que Maurice renvoie à la négativité à un certain moment, tout au moins à la non-utilité de certaines formes de production. Dans ce sens-là, en regardant vers Turing, on se pose la question de la nécessité de l'ensemble des dispositifs qui produiraient à un certain moment quelque chose qui serait du délestage. Pour moi, qui m'intéresse beaucoup, il a bien prononcé plusieurs thèmes extrêmement intéressants, celui d'heuristique, et d'autres aussi, on en parlait. En parler. Je me pose la question, quelle est la valeur heuristique qu'il accorde à cette machinerie qu'il a mis en place, pour des machineries, dispositifs, systèmes et autres, c'est-à-dire en quoi la méthode employée, à un moment donné, apporte dans le concert critique de l'art contemporain, mais on est tout à fait d'accord, mais apporte une question fondamentale qui est est-ce que la question artistique, la production artistique est un outil de connaissance. Outil de connaissance non pas sur le champ, ce qu'il a bien montré, du terrain dans lequel il est établi, mais outil de connaissance dans sa propre manière d'être dans cette méthode. C'est-à-dire que quand on parle de méthode, il faut toujours se poser la question de savoir ce qui la motive. Et quand il y a méthode, il y a non seulement une zone possible, c'est une partie de son travail, mais il y a probablement aussi quelque chose qui est de l'ordre du désarroi et de l'ordre quelquefois de la mélancolie. Je ne veux pas psychologiser le problème, mais il me semble que quand il y a des stages à un certain moment, ou amputation, parce qu'on peut penser qu'il y a des actes un peu décisifs, en quoi la capacité entière qu'il développe intellectuellement de façon sensible et imaginaire est-elle touchée
et comment cette imputation avait émis un certain nombre de ressources, positives et négatives, puisqu'il y a quelque chose qui n'est pas considéré comme étant possiblement, au moins dans le temps où c'est la même chose, étant possiblement positif, en accord avec le projet dans lequel il essaye d'évoluer. D'où, je pense que l'ironie qui a été la fin de la discussion dans cette pause est une façon déviée et déviante de discuter de quelque chose d'autre qui est que la méthodologie technologique à l'heure actuelle suppose aussi à la fois des simulations diverses et variées. On peut discuter de la nécessité d'un art, mais surtout pas de la nécessité à un certain moment vis-à-vis de l'espèce humaine qui essaye par différents moyens, je pense là, au monde du handicap et autres, à trouver des substituts à des amputations réelles. Et donc on peut se poser la question de la position de celui qui produit un générateur, non plus en tant que technicien mais en tant que producteur, mais dans sa propre intimité d'être, dans la question profonde qu'il se pose tous les matins dans cet acte profond. Et comment est-ce que la discussion sur l'art contemporain, à un certain moment, devient une chose peu intéressante et peu enviable? Comment la discussion sur les technologies utilisant finalement des artifices semble le traverser et ne poser finalement que des questions relativement bénignes? Et donc c'est ce tréfonds-là, oui, ce que j'essaye de comprendre dans ce que tu fais, parce que dans tes expositions et tout ça, il y a toute cette démesure, ce côté chronique, c'est tout ça qui nous enchante tous, on est bien d'accord, mais au fond je cherche quelqu'un qui est né par ailleurs, avec lequel je pense avoir des affinités pour ces raisons, et qui a choisi à un moment de dire « je suis capable dans le monde de me priver des choses que certains ont tellement d'intérêt à avoir à des fins plus obscures d'expression ». Je m'arrêterai là parce qu'on discutera après sur des aspects cognitifs qui sont que, vous savez qu'à l'heure actuelle, les problèmes de mémoire sont discutés très profondément, on essaye d'éliminer la mémoire des souris avec un certain nombre de médicaments. Il y a aussi des histoires qui sont de l'ordre de la capacité que l'on aurait de supprimer un certain nombre de fonctions et d'en enlever d'autres. Donc ça veut dire qu'il y a des partitions possibles dans le vivant. Et je crois qu'il a évoqué deux ou trois fois cette discussion avec le Bioart et d'autres histoire de cet ordre, mais c'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus profond dans la discussion biologique des problèmes. Donc ce que j'essaye de voir, c'est comment, on a rarement parlé de ça, parce qu'on n'a pas toujours le temps de se voir et de le faire, mais il n'a pas besoin de répondre peut-être, mais c'est une problématique qui est, je crois, le jour de sa thèse, telle qu'il la pose, avec toutes les ambiguïtés, tous les faux fuyants, et la magnifique présence et le discours qu'il tient, me paraît d'une densité humaine tout à fait profonde, et j'espère qu'un jour on pourra discuter un certain nombre de points de cette œuvre. Voilà, je m'arrêterai là. C'était pas préparé. En fait, tout à fait préparé. Puisque totalement cohérent, effectivement, avec certains aspects de ta réflexion sur le sujet, mais. Cette question du délestage, eh bien moi je ne peux pas la dissocier de la question de la mémoire, malgré tout. Pourquoi ? J'en parle dans un des projets, notamment le devenir organique du monde. J'évoque ce que pour moi représente simultanément une mémoire déficiente et la myopie. Je considère que ce sont deux handicaps que l'organisme, l'individu, est amené à compenser. Et d'une certaine manière, il y a une forme, tu parlais de quelque chose qui était peut-être de l'ordre de la créativité foisonnante, tu disais que c'est un épiphénomène. Je pense que le meilleur substitut au problème de mémoire, c'est d'être capable de reconstruire du sens là où on a trop de fragments absents. On est obligé de créer des ponts entre les bribes de souvenirs ou d'éléments que l'on parvient à ressortir de cette mémoire déficiente. Pour la myopie, c'est pareil. C'est-à-dire que si le monde que l'on voit n'est pas trop défini, on ne se perd pas dans le détail. On voit les grandes lignes et on est amené à construire quelque chose
qui est de l'ordre de peut-être de l'interprétation, mais aussi je crois qu'il y a une grande il y a un grand potentiel d'imaginaire qui résulte directement de ces déficiences. Autrement dit, le délestage, il est aussi l'art d'essayer de voir ce que c'est que de ne pas se délester totalement dans l'oubli. En fait, on sait très bien le rôle de l'oubli, c'est ce qui permet de faire le tri et de pouvoir s'accrocher à ce qui paraît essentiel. Comme ça, comme j'en parle dans l'économie du dinde et dans sa logique de compost, de recyclage, de décomposition, je signale effectivement que je mets en place un processus pour créer cet oubli. Processus contre lequel je me bats au départ en essayant de mettre des mots sur quelque chose qui est censé être complètement fugitif et disparaître de la mémoire au moment où on l'a conçu. En fait, j'essaye, et là ça rejoint la question de l'heuristique, je me dis que en mettant en place ce processus de différence ou de retardement, on va dire, de retardement de l'oubli, je construis d'autres choses. Et la sélection que j'opère en décidant de réaliser tel projet ou tel autre, ou de ne pas réaliser la plupart des projets qui sont ici, cette décision, je l'opère de façon consciente, et non plus parce que j'oublie le projet. Jusqu'à présent, quelque chose qui me paraît d'un intérêt moyen, je l'oublie quasiment instantanément, ça me reviendra plus tard par hasard, mais je me dis, bon... Cette méthodologie de la création, elle me paraît tout à fait acceptable. Mais d'un autre côté, en refusant un oubli immédiat, en retardant ce moment où ça va disparaître de ma mémoire, je suis obligé de rouvrir pour savoir comment ça s'appelle, qu'est-ce qui se passe là, je suis obligé d'aller chercher, mais en fait, c'est quoi le titre? Et effectivement, dans le devenir organique du monde, je parle justement de toute cette altération du monde que nous percevons, qui est dû au fait qu'on réduit certaines capacités perceptives pour augmenter des capacités interprétatives. Et ce glissement, qui est de l'ordre, donc j'ai bien lu dans un des textes, cette question de la reconstruction, par exemple, de la queue du lézard, qui est bien reconstruite, mais qui est reconstruite dans une autre matière, en fait. Ce qui est intéressant, c'est que si elle est reconstruite dans une autre matière, c'est parce qu'elle va continuer d'assurer la fonction, une fonction d'équilibre, d'orientation, je suppose, et alors qu'elle n'est pas vraiment, elle n'est pas dans le simulacre, elle est dans le substitut. Et je crois que dans la démarche de création, et c'est ce que le Dinde essaie d'interroger au fur et à mesure qu'il fait ce qu'il a à faire, c'est-à-dire... conserver des traces comme ça qui contribuent à continuer de construire aussi par ailleurs. C'est vrai que j'ai beaucoup insisté sur le fait, sur le dingue et dans la thèse. C'est pas le mien. J'ai beaucoup insisté sur le fait que justement je ne voulais pas que l'on parle des projets que je réalise, des choses que je construis. Parce que c'est complètement. C'est une démarche furtive, j'allais dire, la démarche du dump. C'est une démarche furtive dans laquelle il se passe quelque chose qui est un petit peu souterrain et en même temps complètement exposé, parce que qu'est-ce qu'il y a de plus exposé qu'un blog, tout le monde peut le regarder. Donc, il y a, je crois qu'il y a probablement dans tout cela l'intention de créer de la mémoire sur ce qui n'a pas pris, ce qui ne s'est pas réifié, ce qui ne s'est pas consolidé d'une manière visible et tangible. C'est aussi un élément du processus. Et en fait, il y a des projets qui se réalisent. Évidemment, il y a un certain nombre de projets du DIN qui ont été réalisés, qui ont été exposés. En plus, je sais bien pour avoir présenté certaines pièces du DIN dans une exposition à Poitiers. Il y a des choses qui finissent par voir le jour, par se construire,
et puis d'autres qui n'apparaissent pas comme telles, mais qui vont se réaliser autrement. Donc, en fait, il s'agit pour moi peut-être plus de donner pour mieux recevoir, pour mieux construire, pour mieux faire le tri aussi. Et parce que ça me permet de clarifier les choses. Vraiment, le problème de mémoire est un gros problème. Enfin, je suis amené, le dump est une prothèse. Oui, bien sûr. Tu as fait raison dans ce que tu dis, sauf que les alentours de la mémoire ne sont pas dans une situation aussi implacable que tu décris. C'est-à-dire qu'il y a en amont et en aval, il y a des traces quand tu parles. Boris parle là de l'incapacité qu'ont certains reptiles, lorsqu'on prend leur queue, d'avoir une espèce de nuque, de muscle qui détruit la corde, la colonne vertébrale. Et il y a une reconstruction, cette fonction est cartilagineuse. La question se pose, est-ce que le lézard, dans sa mémoire ancienne d'une queue qui fonctionnait avec des vertèbres, est-elle conditionnée maintenant sa propre existence, donc sa viabilité, à partir, et de la même manière, à partir d'une queue qui n'est plus vertébrée? Donc pardon si on discute de ce problème-là, mais parce qu'il me semble que tu, à un moment donné, dans la mesure où le fait de la mémoire est localisé dans un espace-temps, dans un lieu, il n'y a pas d'amont et d'aval. Rien ne dit que le fait d'éliminer un certain nombre de choses laisse d'une façon persistante des éléments qui vont opérer sur des choix à venir et qui vont même faire des rétroactions vis-à-vis de la position mémorielle première que tu avais. Donc il y a une implacabilité dans ce système qui... c'est pour ça que j'ai employé le terme d'amputation, parce que l'amputation dans ce cas-là est une volonté décisive de se priver de quelque chose. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était le désarroi et la mélancolie en amont de ça. Mais j'en parle en l'appuyant parfois à la réalisation. Alors, quand je dis que c'est ce qui peut résulter, par exemple, du fait de réaliser un projet qui serait tellement bien s'il en restait au niveau du concept. Et c'est quelque chose qui peut tout à fait advenir, ne serait-ce que parce qu'on lui a pas donné la bonne forme, ou alors que parce qu'il aurait été préférable qu'il n'en prenne aucune autre que celle textuelle, ou même celle du souvenir, incluant si possible sa possible disparition. Je crois que le processus récursif qui fait que justement on est marqué par une idée, même si on ne l'a pas notée, même si on ne l'a pas transmise, même si on ne l'a pas « dumpée », entre guillemets, puisque c'est l'expression que j'utilise, évidemment, c'est un processus que j'utilise pleinement dans toutes les phases de la création. C'est-à-dire que quand je produis quelque chose, je le produis à la mémoire avec la mémoire, évidemment, de différentes idées qui me sont venues, mais qui ne m'ont pas paru suffisantes pour constituer un moteur. Moi, j'ai besoin que ce soit un moteur. Et pour que ça me déplace, pour que ça m'émeuve, eh bien, il faut que ça soit suffisamment fort, que ça soit suffisamment puissant. Et donc, c'est pour ça que beaucoup de projets sont là, simplement parce que ça ne m'émeut pas encore suffisamment. Mais il y a d'autres projets qui m'intéressaient fort et que j'ai fini, à mon corps défendant, par abandonner. Effectivement. Hein, il y a des projets ici dont on voit bien que j'ai traîné pour les mettre d'un coup. Parce que je me disais, ils vont peut-être, quand même, je suis à deux doigts de le faire, quoi. Et puis à un moment, ben non. Non, alors j'aimerais que ça se fasse. Et d'ailleurs, j'ai reçu récemment, c'est du concret, mais c'est intéressant, j'ai reçu récemment un courrier d'une commissaire, pourquoi je n'en veux pas au commissaire, qui me demandait s'il était pertinent d'organiser, de créer une exposition en invitant des artistes à présenter des projets qu'ils auraient puisés dans le dump. C'est pervers. Elle ne s'attendait pas à ce que je dise non. C'est extrêmement satisfaisant. Elle ne s'attendait pas à ce que je dise non, je ne sais pas. Si, je pense qu'elle, si elle m'a posé la question, c'était parce qu'elle se demandait sans doute si je bloquais l'utilisation à mon propre usage. Ce qui, évidemment, n'est pas du tout l'idée. En fait, il y a beaucoup de projets dont je me dis quand même que je serais très content qu'ils soient réalisés, et pas forcément par moi, c'est relativement secondaire. Ne serait-ce que pour en vérifier la valeur,
Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fait ce que j'aimerais que ça fasse dans tous les sens du terme, y compris sur le plan émotionnel? Merci beaucoup. Merci. Et donc, nous allons continuer notre tour de parole. Très bien. Très bien. Merci. Merci. Bon, moi je veux dire aussi que je n'ai pas préparé un texte parce qu'effectivement, je pensais que le texte que j'allais faire, c'était celui pour de la permission de la séquence que nous avons faite. Mais par contre, je voulais peut-être en m'inspirant de la thèse, faire un long rapport, une critique non conclusive, un hypertexte d'observation sur parce que j'ai entendu sur les raisons auxquelles la thèse m'a invité, et beaucoup d'entre elles, c'est très important de faire cette thèse, je trouve que c'est important d'être exposé aux travaux de Maurice, et je suis particulièrement amusé par celui-ci, et amusé le mot, parce qu'effectivement, Maurice m'amuse toujours, et ça me paraît très important quand on est vraiment quelqu'un qui a une grande valeur dans ma vie, pour moi, c'est bien facilement qu'il s'est réveillé tout le temps alors qu'il était peut-être avec nous. Penser les plus profonds en même temps. Maurice était un peu de cette manière-là. Et donc, voilà. Le micro, il marche pas, c'est bien. On veut monter un peu le son du micro. C'est le bouton gauche. À droite, le bouton gauche. Le bouton gauche. C'est la voix. Qu'est-ce que je fais alors? C'est là, ça va. Il faut le tourner à droite. C'est le bouton gauche, mais il faut le tourner à droite. Il la tient. Donc, je fais quelques observations qui vont être suivies de questions. Le premier master. Ça va, oui, bon, donc, c'est Maurice m'amuse beaucoup et il me rappelle une position d'une tradition ancienne, romaine, qu'on appelle la satire reliquaire, la satire sociale, la satire morale en général, portée soit sur le public, soit sur les carences de l'homme qu'on voulait rêver, qu'on voulait imaginer, qu'on créait d'ailleurs par la satire, mais la satire américaine tendait à proposer que d'abord on se moque un peu du public et puis on se moque de soi-même. C'est-à-dire qu'on renverse la position. Et c'est ce côté paradoxal qu'a souligné d'ailleurs Anne-Marie Miguel, qui est particulièrement fascinant dans l'œuvre générale de Maurice et particulièrement dans cette thèse, qui n'en est pas une. Qui est l'exposé d'une chose différente d'une thèse, mais qui peut effectivement passer pour une thèse, et c'est ce qu'on va un peu voir. Mais la première chose que je dirais, c'est ce paradoxe du terme d'âme. En anglais, il y a une valeur très négative. C'est ou bien simplement le lieu dans lequel c'est la poubelle, hein, c'est vraiment la poubelle, ou bien c'est vraiment quelque chose de complètement dévalué. C'est ça qui est intéressant, c'est que la déchange et la différence faite entre déchange et dame est importante. La déchange, effectivement, comme ça, c'est pas mon plaisir qui touche le cœur, mais le dame est vraiment très très négatif. Alors c'est intéressant et ça m'a rappelé une autre chose de McLuhan qui était Beautify your backyard, throw something lovely in the dump today. Embellissez votre backyard, c'est pas jardin, c'est le milieu de la maison, jetez quelque chose de ravissant aujourd'hui. Et effectivement, cette idée de jeter tout ça dans le finalement, par extension, par métonymie, on pourrait dire que tout l'Internet est un immense cas. Tout le monde balance ces choses dans ce cas. Bon, parmi les paradoxes, le premier qui m'a frappé, c'est le paradoxe d'un blog dans lequel on est tout seul. Maurice est tout seul dans son blog. Et en ce moment, il n'y a pas de monde, c'est pas un franchement. Un blog, c'était pour rencontrer du monde, pour se faire commenter, pour se faire discuter. Et Maurice, par exemple, s'est installé dans son blog. Et fait son dame, comme il y a un jeu d'âme ici, le point de vue, une valeur exponentielle, je ne sais pas, ça. Donc, il fait. C'est aussi dans une fraude, on peut dire que le dame,
Le bébé est content qu'il ait bien fait sa chose aujourd'hui. qui va mieux beaucoup. Mais quand même, il y a quand même un paradoxe dans ce blog. Il y a tout un quelques commentaires sur le blog d'ailleurs. Il y a raison, il ne s'agit pas de se demander de ce travail, une étude du blog, absolument pas. Mais cependant, j'ai été surpris dans la liste des caractères du blog, de la petite forme, de ne pas voir même la mention d'un réseau, même la mention qu'il y aurait d'autres personnes, de ne pas voir que, ou bien un truc plus scientifique, enfin, c'est plus pédant peut-être sur le petit blog, mais le RSS dans lequel les gens s'en envoient des contenus identifiés de chaque œuvre. Il y a tout un ensemble de la technologie du blog qui montre finalement que le blog devient comme l'inversion du journalisme. C'est une inversion. Au lieu de mettre ça à l'intérieur, on balance dehors cette expérience journalière de son travail créatif. Donc c'est un premier paradoxe, le paradoxe d'un blog qui est spécifique pour quelqu'un qui est seul dans son blog. Mais je suis sûr que le reste pourra me dire non, ils sont milliers sur chacune de ces œuvres, ça paraît très bien. Mais, par ailleurs, un autre paradoxe de l'art comme rejet, le produit artistique rejeté, c'est un nouveau salon de refusé, rejeté mais qui devient la mémoire du futur. C'est-à-dire, on en a parlé un peu avec Hubert Sébert qui a utilisé une façon en mémoire du futur. C'est sympathique. D'ailleurs, tout notre blog, tout l'internet, comme nous le sommes, pour les mémoires du futur en général, il y avait ces thérapies dans une des œuvres présentées. Effectivement, on crée la mémoire, on crée une mémoire du futur, et dans ce travail, il y a quelque chose d'absolument magnifique. Et donc, je trouve ça très très positif. Mais le paradoxe, c'est ça. D'un travail qui est rejeté pour être transmué. Pour devenir une autre œuvre, reprise par probablement quelqu'un d'autre, s'il est repris. Si j'en ai une idée, moi je l'irai parfait. Je vois bien une génération du futur, lisant ce blog de Maurice, d'une part pour savoir pourquoi il en retournait, avoir cette information très académique sur son œuvre, mais d'autre part aussi pour travailler dans les intervalles, les interstices de cette œuvre hypertextuelle, à plus chaotique. Alors, paradoxe aussi d'un artiste, des meilleurs, pour moi, un des meilleurs artistes de notre génération, qui cherche une légitimation académique. C'est ça le paradoxe. Je trouve ça intéressant d'avoir cette implosité à ce niveau-là, au niveau de la carrière académique. Problème, puis quotidien et tout ça. Mais c'est intéressant de penser, c'est parce que Maurice n'est pas un brouilleur. Et je suis content qu'il ait expliqué pourquoi il ne voulait pas parler de ça, parce qu'effectivement c'était revenir sur un truc, et là il s'est effectivement œuvre académique. Hein. Mais c'est un paradoxe véritable. J'avais fait deux ou trois remarques sur le style, et le moment où se trouve au Canadien qui vit en anglophone avec des peines. Et là on va comprendre des phrases qui parfois n'étaient pas claires, par contre des formules magnifiques. Une nouvelle que je vous cite. Cette concision de Maurice, le projet et l'hypothèse énoncée de la convertibilité du concept en affect et percept. Ça pourrait être un peu compliqué, mais c'est quand même une assez belle forme, qui rassemble énormément de choses. Par contre, j'ai beaucoup souffert en lisant la disjonction territoriale assumée résultant de la reconnaissance de la différence des genres et du projet simultané de l'hypothèse historique de frontières infranchissables. Favorise la tectonie conceptuelle dont le terme se nourrit, construisant ainsi une navigation rhizomique de la pensée et partant de la création. Pour comprendre ça, il faut vivre à part. Donc, ça va un petit peu échapper. Mais c'est pas grave, ça ne nous fait pas échapper. Oui, bon, il y a encore un paradoxe sur lequel peut-être je pourrais terminer mes commentaires, mais il y a quand même pas mal de choses plus intéressantes. Ah oui. Dans le concept du timbre, il
y a beaucoup d'œuvres très, très belles. Parmi celles qui nous a montré, il y a, moi personnellement, je trouve Fin Art génial. Je trouve ça très bien, c'est très simple, c'est clair, c'est net. J'aime bien chez Maurice, a tendance à faire quelque chose de très bien, bien tranché. Il n'y a pas de flou, il n'y a pas de vague, il y a une idée claire, il exprime très bien. Et c'est, moi, je trouve cette œuvre-là très belle. Et même si elle fait référence à Tirel, tant mieux. Les grands artistes volent les mauvais empreintes. Et donc, c'est une très bonne chose. Et justement, dans ces projets ratés, ça m'a fait penser à ce que disait Robillier de Robert Pagé. Tous ces romans sont ratés, mais ils sont ratés dans les grands largeurs. Il y a quelque chose, donc ça ne veut pas dire que toutes les œuvres de Robert sont ratées, bien loin de là. Bien loin de là. Le dernier paradoxe, après j'arrive aux questions, c'est celui d'un jury de thèse à la Sorbonne qui doit décider d'une pratique académique, décider sur une thèse, non une pratique académique, mais une pratique artistique. C'est nous ça. Le paradoxe, c'est nous maintenant, nous partons sur le dos. Oui, mais c'est pas la première question. Tu nous as mis au défi quand même hein, de voir, parce qu'effectivement, le blog lui-même, comme ça il est tout seul, un espace intertextuel, un intellectuel, comme ça tout seul, et donc c'est un défi de voir ce travail. Par contre, j'y crois, comme je crois à tout ce que tu fais. Et j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit sur cette recherche des points de craquement. J'ai toujours trouvé émouvant des œuvres comme Frozen Feelings et Motion of Planet. Je crois que Changer le monde est effectivement tout à fait présent dans l'œuvre et toujours présent dans l'œuvre de Maurice. Et donc, je pense qu'il faut faire confiance, absolument confiance à l'artiste. Il y a quelque chose d'autre qui m'intéresse dans le travail du DAM, l'idée donc de disséminer des morceaux, hein, une spermission si on veut, dans le net, ça m'a rappelé un travail très scientifique, un site en fait très scientifique qui s'appelle Innocenti, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui l'a réellement là, et qui serait intéressant d'imaginer pour là, c'est-à-dire un site dans lequel une cinquantaine de milliers de médecins, savants, chimistes, mettent tous les jours des questions auxquelles ils n'ont pas pu répondre. Et ça passe. Il y a une sorte de journal de questions. Et si quelqu'un parmi les 40 000 ou 50 000 lecteurs est capable d'arriver avec une proposition qui pourrait effectivement compléter la chose, à ce moment-là, il y a un accord qui se fait et moi je fais de l'opération. Et c'est donc quelque chose de très bien, c'est un message dans la bouteille qui parle à tous ces gens. Alors une œuvre comme ça, une œuvre dans laquelle on met ces éléments et que l'on met à disposition, vous fait poser quand même quelques questions. Et ce sont des questions qui sont certainement pédagogiques. La question est celle-ci, puisque quand même notre contexte ici est un contexte d'enseignement, un contexte de guide aussi, et je sais, de réputation. Combien, comme est bon professeur Maurice, c'est important de poser la question. La première chose, c'est est-ce que tu pourrais transformer cette thèse en projet? Et la deuxième question, est-ce que vas-tu continuer le blog, parce qu'on a été défini, ça peut faire. Et la troisième, est-ce qu'on peut imaginer, et peut-être que la réponse est déjà donnée, je n'ai pas très bien compris dans la lecture, mais est-ce qu'on peut imaginer un DAM partagé avec chacun de son truc dans un centre. Voilà, ce sont les quelques questions. Ah oui, il y a encore un truc. Répondre peut-être plus avant à cette question qui a été posée dans Telegram par Marie, qui est cette question de la décharge thérapeutique. La dimension thérapeutique de la chose, me semble-t-il, a été un peu niquée, et je l'ai trouvé pas seulement que je vois plus de prendre naturel. Bon, il y a de la matière. En tout cas, il y a des questions. Je vais répondre à ces questions, je voudrais juste au passage. Réagir à quelques réflexions. En ce qui concerne l'absence des commentaires dans la version imprimée, effectivement, il y a des commentaires en ligne, et certains même sont à l'origine de nouveaux projets. Il n'y en a pas énormément. Et en fait, je prends ça un petit peu comme lorsque je fais une conférence, je parle pendant 2 heures, et à la fin, le public est resté jusqu'au bout et il n'y a aucune question. Et ça m'arrive régulièrement. Donc je n'ai pas d'explication. Je ne m'inquiète pas. Je ne m'inquiète pas plus que ça. Et en fait, l'avantage du blog,
c'est que pour passer la rampe, ça n'a pas besoin de plus de public que celui qui l'écrit déjà, c'est déjà quelque chose. Maintenant, évidemment, c'est intéressant si ça induit un dialogue. Donc, pour répondre à la dernière question, il existe évidemment un autre projet qui s'appelle l'Open Dump, qui est la version ouverte sur laquelle j'invite tout le monde à déposer des projets. Alors, certains, même ici présents, en ont déposé dans l'Open Dump, et je me dis qu'il y a peut-être un problème de masse critique, c'est-à-dire qu'il est possible que le fait que je produisais quotidiennement des projets crée une espèce d'asphyxie de l'Open Dump, parce que mes projets arrivaient aussi dans l'Open Dump en vrac. Et donc, au bout d'un moment, il y a une question de disproportion, et il y a une espèce d'appropriation par le fait d'y être trop présent. En fait, il faudrait que je sois totalement absent de l'Open Dump, parce que je suis dans cette mécanique de production qui, évidemment, laisse peut-être pas suffisamment de place de respiration pour que d'autres s'y insèrent suffisamment. Donc ça, c'est quelque chose qui devrait évoluer. En tout cas, évidemment, ça m'intéresse énormément. Et dans le dump, la plupart des projets de business model, de modèle économique, sont fondés sur l'open dump. C'est-à-dire comment faire pour que les artistes puissent arriver à faire leur projet un jour. Et donc les artistes de l'open dump, dans la logique, effectivement, je ne devrais pas être dans l'open dump, soyons clairs. En ce qui concerne donc les commentaires, certains commentaires du dump m'ont vraiment aidé à déboucher, par exemple, un commentaire disant « Mais ça a exactement été fait par tel artiste à telle date. » Bon, voilà, c'est du concret, on va voir, on vérifie, à partir de là, on part sur autre chose. Ou alors, ça peut éveiller une question sur le bien fondé de ceci ou de cela. Mais il est rare que les commentaires aillent très très loin sur les interrogations qui t'accompagnent. En ce qui concerne la mémoire du futur, j'aurais voulu ajouter quelque chose aussi. En fait, ça m'a rappelé quelque chose qui m'a quand même bien frappé chez Gibson. Dans le livre, dans la traduction française, c'est « Mona Lisa s'éclate ». C'est quand même une très mauvaise traduction, je pense aussi. Où il y a on découvre qu'il y a un robot qui fabrique et constitué de tout un tas de bras et qui prélève des éléments tout autour pour fabriquer des boîtes de Cornell. Et si la chose intrigue, c'est parce que d'abord on a trouvé sur le marché de l'art des boîtes de Cornell que personne connaissait. Et ces boîtes-là semblent aussi vraies que les précédentes, aussi justes. Et donc le grand mystère était de savoir comment il était possible qu'il existe d'autres boîtes de Cornell, Cornell étant mort à ce moment-là. Donc, je pose le problème différemment, et je me dis, effectivement, dans la question de la réutilisation d'œuvres dans l'open dump, pour me sortir de l'affaire, pour généraliser justement, il ne serait pas absurde, d'une part évidemment, que ça mette en branle la mécanique de production, un mécanisme de production peut-être, pourquoi pas, académique. Exercice académique, traiter cette partition et interpréter-la à votre manière. Mais aussi, peut-être, et c'est ce que je mets en avant dans un projet comme La ligne entre les idées, où j'en arrive à dire que finalement, le vrai projet, le vrai sens du travail se retrouve écrit sur la ligne qui relie les idées. Je parle évidemment des idées qui sont retrouvées dans le dump. Et donc, à partir de là, on peut imaginer que comme le robot qui fabrique des boîtes de Cornell à l'infini, eh bien, on arriverait à une interprétation de ce qu'est un mécanisme possible de création pour en inférer des modes de production, de création, d'innovation qui n'auraient rien à voir avec ce que je fais, voire rien à voir avec ce que j'ai écrit dans le dump. Et ça serait évidemment la version la plus... l'appropriation pédagogique ou non, la plus souhaitable. D'accord. Bien. C'est très bien. Non, je crois que j'ai... Oui, j'avais marqué les partitions aussi. Oui, tu n'as pas fini. J'insiste, tu vas prendre le temps, mais la décharge. Oui. Alors, la décharge, évidemment. Alors, en fait, je mentionne ça en note en bas de page. La question de la traduction, parce qu'effectivement, il est important de noter que dump en anglais peut aussi caractériser l'excrément, et que décharge en français caractérise plutôt l'éjaculat ou la jouissance. Autrement dit, la traduction
crée un renversement intéressant qui renvoie directement, effectivement, à ce dont je parlais dans le travail, si on peut dire, de Duchamp. Et il y a là quelque chose, évidemment, qui n'est pas sans rapport avec le fait de, produire. Qu'est-ce que c'est que cette propension, cette pulsion, cette compulsion productive qui ferait qu'on aurait toujours envie de faire projet alors qu'il suffirait de rire ou de dire, de rire ou de ne rien dire d'ailleurs. Et en fait, dans les modes de production que l'on connaît au niveau de l'organisme vivant que nous sommes, eh bien, il y en a de plusieurs types, et je trouve intéressant, évidemment, comment, de façon parfois métaphorique, on renvoie à des fonctions qui sont des fonctions du vivant et qui sont appliquées, finalement, à nos stratégies de survie. Bon, c'est pas grave. Décharge thérapeutique. D'abord, c'est pas moi qui l'ai dit. Ensuite, évidemment, dans tout ce qui pourrait ressembler de près ou de loin à une sorte de journal intime, fût-ce professionnel, il y a quelque chose, on se raconte. À partir du moment où on se raconte, il y a toujours une valeur thérapeutique. On espère toujours, en tout cas, que le geste ou l'action sera aussi libératoire que le fait, par exemple, de s'allonger sur le divan du psychanalyste, et que le fait d'avoir dit la chose suffirait à nous dégager des conséquences d'un oubli mal digéré. Donc voilà, on est bien là-dedans, donc l'aspect thérapeutique est totalement assumé, en espérant justement occulter le moins de chances possible, de façon à ce que ça ne revienne pas en boomerang un jour sur le coagulé. Donc tout ça. Comment ? Pendant ça, il semble. Mais déjà, je ne me sens pas plus mal, et ce n'est pas rien. Je n'ai pas répondu à une autre question qui était sous-jacente sur l'aspect, sur la dimension académique. Pourquoi ? En fait, je l'évoque dans mon texte introductif tout à l'heure, que je n'ai pas fait en soutenance, mais que j'ai lu parce qu'il est sur le dump. J'évoque cette question, effectivement. Et en fait, concrètement, je n'ai pas fait de thèse avant, alors que je me suis quand même inscrit dans les années 80, je n'ai pas fait de thèse avant parce que je savais ce que ça représentait comme quantité de travail, et que j'investissais mon effort de recherche, on va dire, comme on parle d'effort de guerre, j'investissais mon effort de recherche dans la pratique artistique, c'est-à-dire dans le fait de produire des choses concrètes et de les réaliser. Et j'estimais que c'était un engagement assez fort. Et il s'est passé quelque chose d'intéressant à partir du moment où j'ai fini par trouver un projet, un projet prétexte qui me forçait à écrire. Et donc, à mettre sur le papier ce que j'espérais garder le plus longtemps possible en suspension dans l'air pour que la forme puisse encore changer. Le fait d'écrire, c'est terriblement contraignant. Quand on écrit en ligne, on peut encore revenir dessus, modifier quelques petites choses. Mais une fois que c'est sur le papier, par exemple, je sais qu'il y a une faute importante, on ne parle pas de faute d'orthographe, mais un prénom qui est faux, là, il s'agit de Kit Galloway, que j'ai mis Alex Galloway. Bon. Mais justement, d'avoir trouvé cette forme prétexte dans laquelle j'ai l'impression d'avoir le même engagement que dans ma pratique artistique, et qu'en même temps ça répondait à mon besoin de formuler un certain nombre de choses qui sont en marge de cette pratique, évidemment, parce que je ne voulais pas être dans le commentaire de la pratique. Ça, c'était très clair, et je crois que Marie Duguay a très bien souligné le fait que, effectivement, je me suis obstiné dans l'idée de ne pas faire une thèse sur travaux et de ne pas développer ma pratique et de l'expliciter parce que ça l'épuise. Et moi aussi. et vous probablement. Merci beaucoup, et je vous donne la parole. Voilà. Bien, merci de vous parler. Il faut parler de l'académique, effectivement.
Donc, c'est bien une thèse donc, qui développe, de façon tout à fait explicite, une réflexion qui s'appuie de façon constante sur l'expérience de création. En ce sens, donc, elle respecte pleinement le genre particulier que constitue la thèse en question, telle qu'elle est définie depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années. Je revendique d'ailleurs ce choix dès l'introduction et sur une trentaine de pages, donc, tu définis donc le boyau théorique de ton groupe. Tu définis ton travail comme, et je le cite, un projet singulier de ta collaboration, dans la mesure où tu lui donnes pour vocation de devenir, et je le cite encore une fois, une théorisation de la pratique, faisant de la mise en œuvre de la théorie un domaine de la création. On peut se réjouir donc à ce propos que le lien que tu proposes entre réflexion et création ne soit pas simplement dû à une thématique énoncée, ce qui est souvent le cas, mais à une série de questionnements qui sont présentés dans l'introduction et qui fixent le cadre général de la recherche. Et tu en conséquence choisis une voie que je trouve tout à fait estimable parce qu'elle a soi de sa jeunesse, parce qu'elle définit un objet particulier, et aussi parce qu'elle peut conduire donc à t'attacher aux à côté d'une création qui, par ailleurs, et j'y reviendrai en conclusion, fait l'objet de reconnaissance publique incontestable. Il y a là en effet une façon très louable de tenter de saisir le processus de création avec un support technologique nouveau et d'une certaine façon, je renomme ici avec la tradition du journal de la création en faisant du doc donc, un mode doublement opératoire et je le cite qui permet de se décharger, de se soulager de projets rencontrants, ce qui est déjà beaucoup, mais ce qui nous apporte peut-être pas finalement grand chose, mais qui, par ailleurs, donc, permet aussi à une pensée de se réaliser. Alors, j'interviens rapidement sur la forme de bloc dans le sujet que ça a déjà évoqué rapidement par les professeurs. Paradoxalement, je vais simplement souligner trois points très brièvement. C'est que, premièrement, paradoxalement, la mise en œuvre d'un bloc est un processus que je trouve personnellement assez difficile. Parce que, s'il tolère effectivement le rebondir, le bouillon, la rature, il n'en garde aucune trace, du moins visible ou lisible. Contrairement d'ailleurs au crayon, contrairement au collage, contrairement donc à des outils plus traditionnels dans un certain cas. Deuxièmement, c'est que si le bloc ne tolère pas la rature ou le rebondir, du moins la visibilité, il cultive la répétition, voire le ressassement, ou la révolution. Tu t'expliques un petit peu sur ce point, tu l'as évoqué au cours de ce temps, j'aurais aimé, et on va y revenir encore tout à l'heure, qu'éventuellement tu développes un peu ce caractéristique. Et puis, une autre caractéristique aussi, de l'utilisation d'ailleurs particulière du fait du blog, c'est que tu lui donnes pour vocation de mettre en public, au jour le jour, des projets d'époque. Et donc, dans la mesure de la vocation de cette mise en ligne, malgré tout, d'aboutir à une thèse, de faire en sorte que ce travail soit valorisé un jour comme une thèse exemplaire artistique, je crois que c'est en demande, tu lui donnes malgré tout un caractère démonstratif, un caractère d'exposition. Et enfin, le troisième point, et ça a déjà été remarqué, c'est que le blog est ouvert aux réactions des lecteurs. Il est vrai d'ailleurs que ça peut nous faire réagir sur le blog. Et là, on pourrait espérer que ce type d'interrogation soit peut-être. Donc, le blog constitue ici la matrice de la réflexion. Et alors que tu sembles avoir quelques inquiétudes quant à la légitimité de cette forme, je pense personnellement au contraire qu'il aurait pu prendre une forme moins libérative, plus foisonnante, plus
devenir un petit plus obtenu aussi entre ce qui vient de la production de l'auteur, la production, et aussi des productions trouvées, des productions volées, des productions fictives aussi. Et le parallèle, je peux aussi peut-être un peu objecter que tu as établi cette partition assez rigide, donc une introduction générale et théorique, et puis la réalisation, la mise en ligne, donc au jour le jour, du blog proprement dit. On voudrait tout s'attendre à un tissage plus ambigu entre réflexion critique et création, l'expérience du blog, le blog effectivement, des deux, justement, de cette ambiguïté. Bien, à ta décharge, on doit louer, on doit louer d'avoir trouvé une formule modeste, adaptée à ton objet, et qui permet donc de louer de façon très maligne réflexion théorique et création. Comme y indique donc la structure de ton programme, je vais m'attacher plus particulièrement à l'introduction qui livre le sujet du mémoire. Et qui est donc la question théorique et particulière de l'intentionnalité, donc de l'acte de création, dans l'acte de création, ou à propos de l'acte de création. Alors, je le fais d'autant plus que convoqué à trois reprises dans cette introduction, dès la page 12, à des moments qui, semble-t-il, sont des moments clés, sous la forme d'ailleurs d'une citation en encart qui passe d'ailleurs sur le plan de Michel Foucault, de Corbeil-Béa, et Christine Livingstone, dont on peut créer. Donc, je ne parle plus seul de citation, évidemment. Il s'agissait donc de la présentation d'une ligne de recherche qui s'appelait l'intention-création, et plus précisément déjà la question de l'objection comme raison de la création, qui sont deux de lignes que j'ai initiées au sein du CERAP. Et je vais faire une première remarque, j'en ai dit d'autant plus heureux, disons, que je reconnais donc qu'une des caractéristiques de la réflexion qui peut être conduite dans une thèse artistique est de ressortir de ce qu'on appelle la philosophie pratique, c'est-à-dire en tant qu'elle fait office de guide pour l'action, de guide pour la création. C'est d'ailleurs ce que tu sembles entendre lorsque tu décides d'entrer le jeu de la recherche comme une recherche appliquée. C'est aussi d'ailleurs ce que sont de témoigner donc cette expérience même d'alimentation du blog qui constitue donc en elle-même une véritable expérience à la fois artistique et réflexive et aussi une expérience au sens fort du terme, c'est-à-dire en tant qu'exercice de pensée. Et puis, donc, je me permets de le citer dans les temps cités et de revenir donc à la question qui est traitée dans la thèse. Il se trouve que j'ai écrit que envisager la création comme obsessionnelle permet de poser de façon particulière la question de l'intentionnalité de l'acte créateur en reconnaissant les limites que les démarches de type compulsionnel imposent à toute intention en tant qu'expression d'esprit d'artiste. Bon, c'est dès là, sinon c'est là, de la recherche, qui d'ailleurs d'une certaine façon répond à l'énoncé du thème, une thèse que j'ai rappelé, l'occasion de soutenir dans ma propre thèse. Et j'ai cru comprendre, donc, que tu visais bien une question proche, et formulée finalement d'un point de vue qui était tout à fait particulier, lorsque tu proposais d'interroger ce que tu appelles les sous-ressources de l'intention artistique, à la place de l'œuvre. Tu rejoins d'ailleurs ici les propos de quelqu'un, par exemple Robert Maurice, qui parle du fatras des intentions. Je te cite d'ailleurs à ce propos, assez longuement, chaque hypothèse posera à sa manière, directement ou indirectement, la question de l'urgence encore, mais aussi de la pertinence, de l'actualité, de l'historicité, de l'efficacité, de la gratuité, de la satisfaction, de la jubilation, de la tactique, de la stratégie, de l'économie, du rendement, de l'oubli, de la certitude, de l'orientation politique,
géographique, sexuelle, de la signification, de la portée de la politique, de la conscience homme, ou de l'inconscience, du plaisir, de la douleur, de l'enthousiasme, de la lassitude, du compromis, et donc de l'histoire, de la nostalgie, de l'oubli, du remords et des remèdes. Enfin, je pense. Je crois que tu rends assez bien compte de ce que tu essaies de saisir, qui est cette espèce d'infinissable de l'intention, et là, donc, je crois que je peux regretter que pour mieux définir ce noyau, quelque sorte, que des mots d'artistes, ce qui est saisi. Je pense au travail de Robert Boris, sur son travail de Nelson, sur les trois textes, donc, d'échange entre la personne et Robert Boris, qui sont très pensés, donc, ça peut être intéressant, c'est une question d'intention. Mais en autre limite, aussi, je pense que là, tu aurais peut-être, dans cette introduction, parce que c'est pas choisi, faire ce chapeau de logique. Donc finalement, on peut soumettre par la règle du discours académique articulé. Là, peut-être que les notions comme celle de projet, d'intention, d'irrationalité, auraient pu être articulées de façon plus précise, de même que j'aurais pu aussi peut-être avancer avec plus de précision la distinction entre concept et projet. Peut-être que là aussi aurait-il été utile d'avoir un recours à, malgré tout, certains de philosophes ont pu m'apporter ces questions. On pense à Rostron, on pense à David Sors, on pense à Danton, tout simplement, pas simplement dire la situation générale, c'est procédure générale, c'est quand même le troisième volume du trilogie. Qui est une interrogation philosophique qui ouvre sur la personnalité. C'est peut-être là que, du point de vue académique, malgré tout, se revendique, il aurait peut-être été utile de travailler, en quelque sorte, suscité ces concepts de l'enseignement. Et tu avances d'ailleurs une notion que tu as évoquée tout à l'heure, qui est celle de sémanticité, qui d'ailleurs n'est pas un récit. C'est bon derrière nous, donc on peut très bien transiger cette méthode de la nationale. Bon, dans ce terme, elle a été créée par Horace Parcours. Là, je crois que la définition de Wikipédia que tu cites, qui est d'ailleurs extrêmement bien fichue, assez rare dans cette encyclopédie, et là, qui est particulièrement bien fichue, là, je pense que tu avais, en quelque sorte, une philosophie qui t'aurait permis donc de me déboucher sur l'énoncé d'une effective discussion. Conduisant donc à une effectivité qui aurait pu être déplacée dans une conclusion, comme tu l'as dit tout à l'heure, la conclusion est un peu en queue de poisson, c'est banal, bien sûr, mais l'inconclusion, dans la mesure où tu as fait une introduction, aurait mérité d'être suivie par une conclusion. Alors il peut se passer des choses. Bien, je vais terminer donc par deux remarques. Qui sont premièrement que ta thèse a une particularité, c'est de comporter extrêmement peu de références artistiques finalement, du moins de références explicites. Bien sûr, il y a la palette de Lé, qui vient, la Marcel Duchamp, il y a un certain nombre d'artistes qui sont convoqués, des artistes que tu utilises d'ailleurs, du fragment de ton travail aussi, dont tu sors d'ailleurs. Les travaux de la contexte, hein, bon, pour paysage fictif, l'arrière-plan, pour les nouveaux normalistes, pour les cabarets de l'art, pour les fesses d'abord, pour un petit peu, fort heureusement bien, bon, t'es pas là pour faire l'histoire là. Mais il y a cette caractéristique-là qui est de couper donc ton travail, à la fois de références philosophiques, il y en a peu, finalement, explicites, hein, et de références artistiques explicites. Alors que dans ton idée de projet, dans ton idée de notation d'intention, dans ton idée de collecte de concept, on retrouve quand même, malgré tout, une démarche qui trouve sa place de façon assez cohérente, bon, avec, par exemple, la création.
création d'artistes imaginaires par Robert Morris, par la création des tableaux de Rosset en 63, qui est assez proche de toutes les même aussi certaines démarches que je propose, qui sont assez proches de ce que critique artiste, pour prendre ton idée, proposait, c'est-à-dire de collecter des idées d'artistes et de les faire réaliser par d'autres, souvent des étudiants, pour organiser ensuite les différentes expositions de ces concepts d'artistes. Je crois que c'est très notable, parce que pour avoir quand même participé à une discussion relativement importante de la présence artistique, c'est quelque chose qui arrive peu. Et c'est d'autant plus notable que tu es peut-être un des. Celui qui peut se le permettre. Celui qui peut se le permettre parce qu'il se trouve que, et ça c'est malgré tout une chose qu'on peut négliger, c'est que tu as derrière toi une œuvre artistique importante. C'est-à-dire que tu peux d'autant plus jouer ce jeu de la nappe, de la décharge, de la notation des choses légères à oublier, avec cette petite distance d'ordine, parce que derrière, effectivement, une œuvre artistique qui est solide, qui existe, et là, bon, peut-être qu'il aurait, bon, nous aurait attendu, parce que ce sont des questions qui m'intéressent. Dans la mesure où tu as ce rapport à l'institution, quand même universitaire, et à son académisme, assez fort, que tu penses un peu ce rapport entre finalement ce qui est deux instances de légitimation, c'est-à-dire celle du monde de l'art où la place est stable, et celle de l'université, qui ne sont pas synchrones, qui peuvent être quelque chose contradictoire. Et je crois que tu es une posture tout à fait singulière, puisque je vois que tu as la possibilité de penser ce que d'autres ne peuvent que rêver penser. Et en ce sens, donc, ta contribution est tout à fait précieuse. Et je vais m'arrêter. Merci. Alors, là, je suis un petit peu embarrassé parce que je ne sais pas si je dois répondre des petites choses quand même, évidemment, parce qu'il y avait tout un tas de remarques très pertinentes. Sur la question des références. C'est un débat qui me tracasse de longue date. Peut-être justement, je crois que tu as parfaitement souligné la question que c'est vrai que j'ai le sentiment que je peux me le permettre. Parce, sinon, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas parce que j'ai trop été agacé par énormément de textes qui étaient entièrement fondés sur le fait de se masquer derrière les références. C'est-à-dire où il devenait impossible de lire quelque chose qui pourrait être issu de l'auteur sans qu'il se soit réfugié derrière un autre auteur, derrière un autre artiste, qui serait arrivé aux mêmes conclusions. C'est pour ça que, d'une certaine manière, j'ai le sentiment d'avoir procédé à l'envers avec le dump. D'abord, le mode d'écriture permet de s'exprimer sur comment on perçoit la chose. Et donc les œuvres sorties de leur contexte, c'est pas une explicitation de l'œuvre que je tente de faire à ce moment-là, parce qu'effectivement, dans ce cas-là, il faudrait revendiquer qu'elle soit présentée en contexte, mais c'est plutôt de savoir comment cette œuvre joue un rôle déclenchant dans mon processus pour arriver à un projet. C'est-à-dire, quel rôle elle joue dans ce processus. Et c'est donc... Évidemment, j'ai des fois, comme je l'ai illustré tout à l'heure, je fais quelque chose qui est de l'ordre de commentaire d'œuvre, mais on voit bien que d'une certaine manière, l'œuvre est un prétexte, dans ce cas-là. Elle est un prétexte qui va me permettre d'articuler progressivement les fragments du concept. Alors là, c'est, en fait, je parle évidemment de cette question en parlant de ses faiblesses aussi dans un des chapitres, question de la définition du concept. Mais ces fragments de concept donc, qui s'articulent et qui progressivement prennent forme, prennent corps et ça résiste. Donc ça, c'est un processus intéressant. Je mentionne aussi dans la bibliographie un ouvrage que je cite même dans les remerciements avec la personne qui me l'a recommandé,
qui est l'art de parler des livres qu'on n'a pas lus. Et cet ouvrage, en fait, est tout à fait remarquable, parce qu'on y trouve notamment la position jubilatoire d'un Paul Valéry, expliquant que finalement, ce qui était important, c'était de lire le moins possible pour pouvoir continuer de dire des choses intéressantes. Et donc, se trouvant prendre le fauteuil d'Anatole France à l'Académie française, il a réussi à en parler pendant 2 heures, en signalant régulièrement que, évidemment, il était difficile pour lui d'en dire quoi que ce soit de pertinent, pour la bonne raison qu'il faudrait l'avoir lu pour cela. Mais, d'un autre côté, il le démonte complètement pendant 2 heures. Et donc, Bayard, qui a écrit l'ouvrage, explique justement qu'il y aurait dans la démarche constructive, je parlais tout à l'heure de la question de la mémoire et de la question de la biopie, je disais justement que ces absences, le défaut, il y a des œuvres, voire même des auteurs, que je ne parviens pas à citer à ce moment-là, qui me reviendront 2 minutes après, mais d'un autre côté, c'est vrai que je joue de ces manques, je joue de ces oublis, dans ma démarche créative. Et donc j'ai envie de l'assumer. C'est un petit peu ce que je fais dans ce travail. Je me dis que, voilà, si vraiment un exemple, quelque chose de fort ou de clair qui répond totalement à ce que j'ai envie d'illustrer est pertinent, eh bien, oui, il faut que je le cite. D'un autre côté, soit j'en ai pas connaissance, et d'ailleurs je le dis aussi au départ, ben voilà, si je n'en parle pas, c'est qu'en fait, je n'en ai pas connaissance parfois. Mais c'est aussi que dans certains cas, il y aurait tellement d'exemples à citer que c'est à se demander si tel ou tel exemple est plus pertinent qu'un autre, et puis quel serait le but même de la citation à ce moment-là. Sauf effectivement faire un travail d'historien, ce qui évidemment n'est pas mon projet. Parce que l'un va noyer l'autre dans l'action. Et c'est ça la difficulté à laquelle je suis confronté. Donc je suis tout à fait effectivement conscient de cela, et je dois dire que c'est vrai qu'il y a, quand je parlais de côté jubilatoire tout à l'heure, je profite pleinement de cette liberté que je sens qui m'est donnée par le fait que, par ailleurs, j'ai essayé de faire la preuve que je n'oublie pas ce que c'est que de faire les choses, et que je sais un petit peu ce que ça veut dire de se poser la question d'aller jusqu'au bout. Mais il m'intéressait de voir ce que c'était que de s'arrêter en chemin.